Yeah, ça commence. Me marre déjà. Bonjour tout le monde. Je continue mes tests. C'est un nouveau week-end de tests. Je vous dirai au fur et à mesure. On reste ensemble à environ 3 heures. Voilà, j'ai beaucoup bossé dans la coulisse. Et en fonction de vos arrivées, voilà, je vous expliquerai le comment du pourquoi. Là, j'ai besoin de me détendre. Semaine chargée pour moi. Donc tout l'intérêt de la chaîne, voilà, pouvoir papoter avec vous pendant que je me détends en jouant. Et je vais commencer par du Fallout Shelter comme c'est indiqué. Portablement. Bon, ça va de soi aussi pour ceux qui regarderont en différé le ralenti sur Twitch. J'étais très surpris de voir mes stats déjà. Alors qu'on est en petit comité restreint, à savoir que je suis plus officiellement pour le moment le temps de tout mettre en place dans les semaines et mois à venir. Vous étiez déjà plus de 50, j'ai eu 50 visionnages de mon premier week-end de diffusion. J'en reviens pas, bon, Twitch, ça va très vite. Bref, merci, ça fait plaisir, j'espère que j'arrive à vous distraire. Balou. Voilà, relaxation, tranquille, je vais prendre le jeu. Et je verrai en fonction de vos arrivées. Voilà. J'aurai plaisir à interagir avec vous. Voilà, je vais déjà lancer un son. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. C'est obligé, c'est mon son favori. Faut que je vous accueille aussi. Alors, bah, apparemment le signal vidéo. Oh! Les stats se sont effondrés dans mon abri. La tronche. Oh, génial, le jeu a crashé. Joie! On va recommencer, je suis en joie. Voilà, on y croit. Aïe 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 aïe. Ça commence. C'est vrai qu'il avait crashé le week-end dernier quand j'avais pris l'antenne. Bizarre. Alors qu'en temps normal, ça passe comme une lettre à la poste, y a pas de souci. Il a caca nerveux. Non, je vous avais fait une petite session la semaine dernière de Fallout Shelter. Ça avait duré peut-être une petite demi-heure max. Sera très difficile. Ça qui est bon. Lolo. Ah, si j'ai qu'une équipe qui est rentrée, ça veut dire que l'autre soit elle est en route, soit elle est sur place sur une mission extérieure. C'est probablement le cas. Ah, j'ai mes notifs Twitch qui apparaissent et ça devrait pas le faire. Ah, il faudrait que je pense à me mettre dans le plat dérangé pour avoir des notifs. Voilà, course aux armes. Et j'en profite rapidement. Hop. Hop. Ne... Là que vous avez... Ah, les joies de l'informatique. Voilà, je me détends, relax, pas ma cou. Bien avec le hara. Stylé. Je vais peut-être mieux orienter le micro. Ah, peut-être bien pour qu'on m'entende bien. C'est sympa, mais c'est rare de se faire accueillir. Oh là là, carrément les torcheurs. Ah oui, bah si je bouge pour essayer d'aller dans mon chat sur le fond secondaire, évidemment on va faire le focus de la pièce. Oula, il a fait crever lui. J'ai chaud.
fasse concentrer. Pas que je fasse de la merde. C'est pas mal, c'est pas aller jusqu'à fois 5. On arrive à cliquer au bon moment. Waouh, mais c'est quoi l'architecture de ce bâtiment? Ok. On va commencer par les sous-sols. Oh merde, j'ai oublié de cliquer dans le. Ouais. Oh les réflexes félins qu'il faut avoir, mais c'est impossible. Oh regardez, je donne la chance. Ai-je le temps de boire un coup? Oui, bah, ils sont tous morts. Ah, attendez. Palbilise parce que comme j'ai mon. Je dois jongler d'un chat à l'autre pour vérifier. Oui, il me dit que le Wise Boot est actif. Bah ouais. Bon, ça va, apparemment. Il y a deux personnes qui sont en train de me regarder. Bonjour à vous. Si, c'est les stats Twitch. Voilà. Bonjour à vous. Pardon, c'est une chaîne expérimentale, c'est quelque chose de très brouillon. Et le chat que vous voyez, c'est pas celui de la chaîne que vous êtes en train de regarder. C'est très particulier, ça va pas durer. C'est moi qui ai besoin de faire une cuisine particulière. Tout deviendra normal le 1er janvier prochain. Je tiens à le signaler. Voilà, je n'ai pas regardé dans mes archives le numéro de la semaine dernière, le week-end dernier, où j'expliquais déjà dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe au temps présent et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Walou. On continue. Oh oui, x5, ça c'est beau. J'aurais pu le désirradier, je sais pas si ça se dit désirradier. Ça c'est de la bonne artillerie lourde ça. Oh là là oui. Oh la course aux armes elle est magnifique. Ah rat de scorpion. Oh ça va y en avoir encore. Et encore théoriquement ils sont plus faciles à zigouiller que les écorcheurs. Les diables. Ouais.
Ah, je... Voilà. Oh là 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 là. Comment tu me déboîtes? Oh non, il y a un luminescent. Les ondes verdâtres, ils émettent de la radioactivité, c'est un cauchemar. Oh là 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 là, je suis dans ma demeure là, c'est tout. Tiens. Oh là là, je prends cher. Là, clairement. Ah, au moins on va. Ça y est, ils sont en train de pousser sur le boss. Bien. Oui, oui. Qui restait un corps mais j'arrive pas à cliquer dessus, voilà c'est... Il restera à l'étage supérieur. L'étage supérieur. J'ai pas de... J'ai rien. T'as fini par le clin d'aller bouler. Si, mais... Ah ça va, c'est des rats de cafards, c'est des mecs plus faciles. Tranquille. Je vais avoir juste ce qu'il faut pour faire le ménage sans me faire profiter. Juste là. Mais non, là il va y avoir des morts. En plus, il reste un peu un étage inférieur que j'ai pas accédé. Voilà, il y a déjà un qui est chu. La violence. Lui aussi va tomber, forcément. Oui, non, mais il est mort. C'est fini.
Bon, bah, ils vont rentrer à l'abri. Mort, mais ils vont rentrer à l'abri quand même. J'aurais pas visité toutes les pièces, tant pis. Il y avait peut-être des bonus au bout. On ne le saura jamais. Ah là là. Tout réanimer et tout rentrer. Oui. 44 minutes. Là, je vais renvoyer deux équipes dans des missions extérieures en espérant qu'il y ait une idée quelque chose. Ah, je commence à manquer de choses dans mon abri. Là, j'ai la barre des couverts qui est en rouge en haut. Par que j'ai avec ça. Ouais, ça va. L'émission. Ah, c'est une nouvelle mission conflit salarial. En limité, tu m'étonnes. C'est spécial mois de septembre, voilà. Oula, attends, il y a un truc. Oula, ça va pas. Il faut que je prodigue des soins à mes équipes. Salarial Lion, elle est juste un personnage historique de la licence, hein, pour ceux qui connaissent. Attendez voir mes soldats là. Bah, vu que j'ai plein de ressources. Voilà, je crois qu'ils sont tous au taquet. Bon, de toute façon, Wen, c'est pas pour le. Donc, si, allez hop. Loger à la même enseigne. Alors, ça c'est sympa. Star Lion, Nana, Wen. J'ai un peu varié les équipes. Hop, je suis parti dans le lot. Allez. Tac, c'est parti. L'autre équipe, elle va faire. Ah, 1h30. Bah, je pourrais peut-être y rejouer tout à l'heure avant de rendre l'antenne à 13h. Ce sera amusant, ça. Oui. Et bah, je vais déjà les faire partir pour le banc, on est jeté. Oh. Attaque des torches. Oh là. Si j'avais besoin de ça. Ça occupe. Ah, il faut que je vérifie les ateliers aussi, c'est bon. Atelier. Ah mince, elle fait plus rien. Ah, il fait plus rien. Je gère les deux ateliers. Attention, c'est la guerre. Voilà l'envahisseur. Casseur. C'est n'importe quoi. Quelle la guerre. Quelle la guerre. Oh, magnifique. Ah oh, merde, il est mort. Ah, j'ai mal géré. Je suis laissé hypnotisé par le décor et puis oh, j'ai un mort. Voilà, on va le ressusciter pour lui. Par principe, ça fait pas propre. Oh, j'ai encore un autre mort. J'ai hyper mal. Elle va dépérir. Ah, attends. Elle est où la mort? Alors lui, déjà. Animé. Hop. Et elle est tombée. Pouf. Animé. Oui, eux, ils partent. Ah. Oh, c'est bon. Alors, les ateliers, c'est intéressant que je le fasse en direct. Alors, commençons par les fringues. L'atelier de fringues. Non, partant. Autant et partant. Je crois qu'il me faut des tenues de. Ouais, synthétique lourde, il me faut. 13 jours, la vache, 2 semaines. Temps réel, hein. 13 jours, temps réel. D'ailleurs, il va me falloir 2 jours pour faire une autre armure. Enfin... D'ailleurs, dans l'atelier d'armes, lui, par contre, il faut bien que je fasse également une arme de lance-missile renforcée. Oh, c'est bon, ça. Il faudrait aussi que je fasse une arme de synthétique. Il y a une mission spéciale. Fusil à vision nocturne.
Oui, bah je vais essayer de paraître à ce jour, je vais essayer de faire celui-là. Adjugé vendu. Là, ça va me donner accès à une mission exclusive spéciale. Bon, bah voilà, je crois que je vais pouvoir arrêter là la partie de Fallout Shelter du moment. Et tout le monde est sorti. Alors, peut-être que je le ferai tout à l'heure. Conditionnel, hein, peut-être. On verra, parce que j'arrêterai à 13h. On va faire un petit peu du 3D juste après. Il y aura du Grand Turismo à nouveau pour me détendre sur la PlayStation. Ah, Project Zomboid. Théoriquement, je vais présenter brièvement Project Zomboid que j'ai enfin mis à la bonne résolution. C'est mon problème de la semaine dernière. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a du peuple? Ah bah bonjour, je vois quelqu'un qui apparemment est arrivé, j'ai un signal comme quoi il y a un spectateur supplémentaire. Bien le bonjour. Ah hop, je vais passer à quoi? Je vais passer à... ouais, je voulais essayer de faire du... Attendez, ouais. En attendant, je vais mettre ma tronche. Ah tiens, on voit des grandes touristes pour moi qui tombent déjà sur ma PS2 en arrière-plan. Et on le fera après. J'aimerais essayer d'abord le... 3D. Et je le retrouve. Ah, je pourrais faire le jeu de la chasse aussi. C'est très marrant que je fasse un de ces samedis le dimanche. Peut-être demain. On verra. Demain matin. Je ferai peut-être le jeu de la chasse. Ce serait rigolo. Ce serait rigolo. J'avais pas traversé l'esprit. Pourquoi pas. Ah, le v'là. Ah, Garry's Mod aussi, je vais tester Garry's Mod. Ah, il y a pas mal de... Alors là, à mon avis, je suis parti pour faire de la ride, de la captation. Il a bugué là. Ouais, pardon, la jardin non. Ah, ça revient. Jeu de mon adolescence. Okay. Mais l'exemple collection Kilotel Collection, et là on va faire une réédition de. Voilà, vous voyez, 20e anniversaire, la première ligne à lire dans l'écran. Hop là. Oui, il y a une 5e campagne. Le jeu original, il y avait 4 campagnes. Et 20 ans plus tard, les créateurs originaux, enfin 3 d'entre eux, je crois, ont bossé sur un 5e épisode où c'est un truc du monde en fait de 10 thèmes. Mais franchement extra. On fera pas alors ce 5e épisode, je me le garde, je le découvrirai, je pense à vous, j'ai déjà commencé un peu le niveau, mais après, je commencerai un peu le niveau. L'année prochaine, pour les janvier, quand j'ouvrirai officiellement ma chaîne, je le ferai à ce moment-là Baba Cool. Là je vais faire un niveau lambda sur testo. Je vais tester à la manette. C'est la première fois que je teste ma manette sur PC en direct. Ça c'est l'intérêt de l'expérience là, ça ne devrait pas me poser de problème parce que je vais faire une nouvelle partie quelques fumeurs que j'ai choisi. Ouais, je sais pas, à l'aise. Yeah, piece of cake. On va y aller. Attends. C'est là où ça crache. Oh, ça va. Ah, je peux le jouer à la souris aussi. Enfin, je vais peut-être le jouer à la souris et pas à la manette en fait. J'ai pas les touches. Ah, pause. Ah, pause. J'essaie de reprendre la bête. Ah oui, donc c'est bien. Ah non, la manette c'est vachement bien. Il faut bien que je sente la vue. Voilà, je pense que là la vue est bien centrée. De toute façon, je le fais à la manette aussi la vue. Je retrouve les touches par contre.
Oh là là. Non. Jin. Go without your ass. C'est pas visible. Là. Habillage du signal, je profite. Et que j'ai quasiment plus rien à faire en 2 heures. Des bonnes problèmes de santé. C'est magnifique. Aussi bien que Thomas Pesquet. Oh l'ISS. Oh la lune. Ça devrait être interdit, mais j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions de rien du tout. Oh là là. J'espère qu'ils sont pas passés dans le. Ooh, I needed that. Defense Force. Still there. Y'a pas un passage secret là-dedans, y'a pas un panneau pour descendre là-dessus. Ah, celui-là il dit pas. C'est un panneau coulissant, mais ils sont de l'autre côté. Mince. Oh là là.
Ouais. Bah. Attends. Surtout, ce qui m'effraie, c'est que j'ai aucune de carte. Ça, c'est bizarre. Il y a deux. Oh, attends, j'ai pas vu. Non, ça, c'est un gadget bonus. Ça, y a rien. Mais je continuerai pas, c'était juste pour tester. On va passer dans un plan voilà. Je suis content d'avoir essayé. Je vais dire, ah, je suis en direct depuis une heure. Mais pas de passif. Bébé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le projet de zombie sur la fin? Pourquoi pas? Est-ce que je me teste pour le délire à... Ah, Tomb Raider 2, j'avais bien aimé aussi. Enfin, Tomb Raider, de manière générale, j'aime bien. J'ai fait les trois premiers. Enfin, sauf le 3, j'ai pas fait. Je suis bloqué à la fin. Ça, vous l'aviez vu le week-end dernier. Alors, je pourrais essayer pas mal de trucs. Hein. Ça, c'est ça qui est beau. D'avoir un problème de riche et d'avoir l'embarras du choix à piocher dans les. Ouais, si. J'irai pas loin un petit Sonic. Reste à savoir lequel. Le Link du CD, ouais, j'irai. Juste à vélo. Off. Je suis en train de penser au Sonic, mais je le ferai pas parce que celui auquel je pense, la résolution va pas être bonne, ça va être quelqu'un de boudin à l'antenne. Et il faudra que je prenne d'autres dispositions. Donc, pardon si j'ai fait une faux joie à certains. Et donc Sonic, je le mets pour plus tard. Et bien. Blablabla, je suis en train de survoler la liste en fait de jeux, en train de dire tiens je peux peut-être faire ci, je peux peut-être faire ça. Bah je crois que je vais passer ouais à bon coup. Allez. Temps, je vais passer à Gran Turismo. Ça va être hop là. Un jour comme ça, il n'y aura plus de capture d'écran. Voilà qui est bon.
Oula, pourquoi il m'a fait l'affichage en énorme long? Attends, on va rééditer la scène. Ah oui, ça va pas là. Voilà. Oui, elle là. Voilà, là, comme ça, c'est correct. Ça fait un truc de 15 km de long. Amusé. Mais je redonne l'adresse pour ceux qui veulent éventuellement regarder le direct et interagir dans mon très bon chat. Ça ne correspond pas à la page de Signal Twitch. Désolé, c'est volontaire. Voilà, je vous ai donné le lien dans le. Je vais le lire à l'écran pour le retour vidéo. Ça va vous aider. Alors, ce que je vais faire, Ah, j'ai pas le droit de. C'est vrai que c'est. En fait, j'ai l'habitude de jongler entre Linux et Windows, et évidemment là je suis sur Windows pour un max de jeux. Mais c'est vrai que j'ai pas tout à fait. J'ai pas strictement la même version de OBS. Pour le coup, ça me perturbe un peu. Ah, chose intéressante pour moi, comme vous voyez que le signal de ma PlayStation, si je peux bien, je peux discrètement mater moi en plein écran mon Discord. Et tout le monde dort en fait. On est samedi matin, il est 11h et j'ai aucun de mes potentiels. Enfin, d'ailleurs cobaye, le terme n'est pas correct. Et amis testeurs, voilà. Auraient pu être là, qui ne sont pas là. Je m'en grave. De toute façon, moi je récupère des données de mon côté. Il y a encore plein de trucs à bosser. C'est vrai que ça fait encore craca comme habillage d'écran. Donc, hop là. Ah, je boude pas mon plaisir. Ouais, faudrait que j'essaye de graver dans le marbre les réglages. Bel habillage. C'est bien. Ça prend forme. Arrive-moi un coup. Ouais, il est déjà amusé là. Alors, la bonne manette. Bonne manette est celle de PlayStation que je monte à l'envers parce que sinon je bousille le câble si je tire comme un boule. Ce que je ne ferai pas. Bien évidemment. Alors, attends. Ah ouais. Je me détends un peu les jambes. Ah, ah, le plaisir du samedi matin et de décompresser de la semaine. Et encore, je dis ça, en vrai, je vais bosser un petit peu cet après-midi sur le secrétariat. Et j'aurai un rythme de pépère. Et... Bonne rentrée à toutes et tous. Hein. Pendant le septembre, au moment de diffuser, là, bon courage. L'artiste peut être violente. On se détend. Ah, pour ceux qui m'ont suivi au précédent épisode, j'ai un peu joué en semaine, hors antenne évidemment, puisque je ne diffuse pas en semaine, ma carrière Gran Turismo 3, donc j'ai des beaux bolides là, puis je me suis fait pas mal de pépettes. La Corvette Grand Sport qui fait, je sais pas, 800 chevaux, je crois, on va regarder tout. Je crois que c'est mon meilleur bolide. 800 chevaux. 585. Je crois qu'elle peut faire 800 chevaux.
dopé à fond. Mais c'est déjà un monstre. Déjà un monstre et je m'en accommode bien parce que elle me le rend bien. D'ailleurs, je vais faire un ovale. Faire un ovale de fou furieux. Je crois que pour le moment, c'est là où j'ai le plus de thunes. Ah oui, je me suis fait aussi les permis en semaine. Doucement. Il me manque plus que le permis spécial. Sinon, j'ai le rallye. J'ai tous les autres, les nationaux et internationaux A et B. Le S, je suis pas pressé de l'avoir parce que je suis pas prêt d'atteindre ces courses de très haut niveau pendant un petit bout de temps et ça viendra tout doux. Je crois que les réglages par défaut sont des monges et j'ai pas le temps de bouger. J'ai les pneus gomme durs donc elles durent longtemps et j'ai pas passé au stand de cette course. Voilà. Alors, on va passer plus de 10 minutes, voire un quart d'heure à 350 km/h. Il y a un effet grisant. Et moi, pardon, ça me détend. J'ai dit oui. Ah, mon avion de chasse sur roue. Ça y est, on a enclenché le sixième et dernier rapport. Ah, faut que je me concentre un peu, c'est pas tout de faire de mariole. Ah, c'est là où je suis heureux. Dans ce moment-là. Ça fait un bien fou. Réouvre les chakras. On peut avoir la surprise dans le chat d'avoir la visite. D'un instant à l'autre. Et à mon avis, ils sont soit déjà en extérieur parce qu'il fait beau, un week-end grand soleil, ciel bleu, et voilà, c'est tout sous le pieu. Oh, c'est culotté, j'ose. Oh, comment je passe à ras du tunnel. Je les ai tous bloqués à 350 km/h, c'est ça qui est beau. Merde, je percute la rambarde. Hein. C'est un mauvais coup de la gâchette. N'importe quel wack. Alors si je dis pas de bêtises, ce grand ovale il fait 5 km de long, je crois. Chaque fois qu'on fait un tour, on est crédité de 5 km au compteur. Alors à cause d'un mauvais cadrage de ma part, on voit pas le compteur qui met le total en bas. Il est tout juste masqué, c'est dommage. Et on voit à peine l'usure de mes pneus arrière, on voit qu'il froid. Les couleurs bleu marine foncé là. Alors que les pneus avant sont déjà en turquoise. Et pour ceux qui ne connaissent pas la gestion de température des pneus, l'idéal c'est d'être vert fluo. C'est là où ils délivrent un maximum de leur adhérence et qu'ils sont en bonne température. Ah la simulateur automobile, j'adore. Oh, ils sont groupés derrière moi. Alors qu'il y a la lanterne de rouge qui s'est déjà, qui a décroché du wagon. J'ai pu m'exprimer ainsi. Oh là là. Il est, je leur mets déjà 3 secondes. On a 2 tours. Ah, j'aurais presque pu mettre ma musique à moi en arrière-plan. Libre de droit là, les bonnes positions. On entend que le bruit du moteur. Ah, que je fasse ça juste après la course là. Je suis en droit de prendre musique. Je vais pas m'en couper. D'entendre juste ma voix et le bruit du moteur, c'est pas forcément ça. Le bon vieux lecteur multimédia 8 ans. Avec moi, vous allez la retrouver. Non. Attends, est-ce que je peux rester en train de conduire et cliquer sur la souris? Oh, c'est merveilleux.
Merde, j'ai lâché le contrôle de bord. J'ai perdu un peu de vitesse. Ah, c'est bien, moi j'ai lancé la musique. Oh, ce qui serait stylé, il faudrait que je mette Wild the Rhythm, le rythme sauvage, qui est l'une de mes compos qui irait mieux en techno, hein, je pense que c'est entre nous, ceux qui ne le savent pas, qui irait vachement bien avec un jeu de conduite comme ça, à pleine vitesse. Mais il faut que je tente le coup après. Bah, je vais faire deux fois la console là, parce qu'en plus là, ça me rapporte et ça me détend. Ça va me permettre de tester le volume et de voir l'ambiance. Je me réjouis d'avance à l'idée de mettre ça en place, de faire ça dans 5 minutes. J'ai chaque est bon. D'avoir le Logitech G15 comme clavier, et il y a des touches programmables en macro commande, etc. Je pourrais préenregistrer sur ces touches certaines commandes à saisir dans mon chat. Ça, j'aurais plus qu'à appuyer sur la touche programmée plus valider sur entrée. Peut-être même pas appuyer sur entrée, ça le ferait aussi. Quand je focus sur mon chat, après d'appuyer en une seule touche et déclencher un truc sur le chat sans que j'ai à faire la saisie. Il faut que je fasse ça, je pourrais le faire en direct là. Je vais le faire aussi dans l'eau, bah, le temps que le ralenti commence à se diffuser. J'aurai le temps de mettre tout ça en place, c'est génial. Ah, la technologie quand ça marche c'est cool. J'y avais pas pensé, je le confesse. Programmer des touches personnalisables sur le clavier. Ok. Allez, on va pas tarder à entamer le dernier tour. Je devrais empocher, je crois, 25 000 crédits. On fait des pépettes, 25 000 crédits. Avec ça, on peut déjà s'acheter une voiture de série. J'ai déjà plus gros tos, mon pote, on démarre sa carrière, je crois que mon facture de crédit ou 15 000 chiens. Donc j'arrive. Donc en une course, je gagne plus que ce que on a en liste de départ. On commence une carrière de mon police. C'est beau. Je peux laisser la vue de la ligne droite de la corvette. Non, je ne crois pas, j'ai la jauge en bas à droite, si vous regardez bien, de l'huile en rouge. Bon, déjà que je change l'huile. Ah, oh, j'ai changé l'huile. Ah, il y en a qui rentrent. J'ai déjà changé l'huile il y a pas 10 courses. Oh là là, elle va être énergivore en huile, si je peux. Je crois que c'est la première fois que je vois dans Grand Tourisme une bagnole qui contrôle de l'huile aussi rapidement. Bah tiens, là on voit mon compteur kilométrique. Donc total, je suis à 695 km avec cette bagnole. Avec la Corvette Grand Sport. Chevrolet Corvette. Oh. Elle est stylée, elle est puissante, elle se conduit bien en plus. J'ai presque toutes les pièces personnalisées de la... ce modèle là, je peux déjà régler les rapports de mètre de vitesse, je peux régler les amortisseurs, bref, j'ai tout ce qu'il faut pour gagner. C'est cool. Si 600 chevaux sous le capot, comme nous donne Schweiker, de base,
parce qu'elle est vraiment elle est trafiquée, j'ai largement augmenté sa cylindrée. La corvette. La base quand on l'achète, elle fait qu'à moitié, je crois. Moi ça je suis déjà plus gros. Et là je pourrais concourir aux 24 heures du Mans avec le Molina. Je pourrais être prétendant en tant que liste amateur. Et voilà GG. Tiens, je vais me mettre un GG. Il est où le focus pour le... Voilà, j'ai mérité mon GG. Alors le coup du clavier, il faut que je vérifie si j'ai l'icône de programmation du clavier. Je crois que c'est ce code là, parce que c'est ce que j'ai vu du tech. Ouais c'est ça, en plus ça présente bien. Alors attends. On va voir ce que j'ai comme programmé. Ouais. Ah ouais, j'avais oublié que j'avais programmé OBS dedans. Ah, j'avais mis dans tous les... Ah ouais, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, alors attendez, je vais vous mettre... Voilà, je vais vous mettre le ralenti en attendant. Ça m'arrange bien parce que ça me permet de faire ma cuisine sans que ce soit trop gnangnan. Ça fait peut-être près d'un an que j'ai parmi mon père qui est excellent. Personnalité des commandes du clavier et Logitech G15. Bloc de texte. Bloc de texte. Et bah le fameux. Si je peux faire le si je peux. Je sais pas si on peut faire. Mais c'est bon que je teste. Si je fais ça. Ah ouais. Ah sauf que c'est pas. Je me plante. Je me suis planté. Et ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça, c'est cool. Ouais, la pêche que j'adore. Ah non, ça marche pas comme ça, j'ai pas le droit. C'est intéressant. Je suis en train d'apprendre des trucs. Ouais, encore, c'est ça. Si je fais ça, hop, j'ai ma pêche. Ah. Oh. Oh, le vilain. Il prend pas l'accent, il aime pas. Voilà, là, ça marche. Ok.
commande, bah tu me prends. Hop, je vais mettre les salutations. Il fait que là, je fais un salut. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. C'est instantané, c'est génial. Là, je vais mettre... Voilà, c'est cool. D'ailleurs, je peux cumuler normalement. Je peux cumuler. Merde, j'ai écorché le... Donc si je fais mon G4... Très bien. Je balance carrément YouTube et Discord en même temps. Très bien, nickel. Nickel Chrome. Voilà. Je ne sais plus quoi dire d'autre. On va me programmer encore aisément deux autres. Voilà, puis je joue à la pêche en même temps. Très bien. Voilà. Bon, j'aurai la suite plus tard, mais je suis très satisfait. C'est cool. Oula, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Je peux même de temps en temps qui est présent sur la chaîne ou pas. Ah, et là je peux en plus remonter mon propre chat sans que ça dérange vous la lecture, le retour du signal. J'ai mal cadré d'ailleurs, je vois que le texte est rongé. Donc il va falloir que je recadre mieux le chat, je vais faire ça dans 30 secondes. Je vérifie que j'ai pas zappé un message. Donc je viens de balancer des pavés dans le chat. Ok, alors attends, le chat, il faut le recadre un petit peu mieux. Oui, il est écorché et pas qu'un peu. Pourquoi c'est écorché à ce point? Embêtant. Ah non, c'est bon. Suivant, ouverture. Il est pas. Attendez, je suis en train de mener mon quête là. Ah! Ouais, je suis en train de comprendre avec le petit logo de. Ouais. Et il faut vraiment au millimètre près, il faut vraiment rien négliger parce que le cadrage il saute à une vitesse. Voilà, là c'est pas mal du tout. Voilà. Dur. Dur. Et c'est bien. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Zex de Citron. Bonjour Zex, j'espère que tu vas bien. Bien joué, très belle intro. Tu l'as fait avec classe. Je vois que tu t'appropries déjà mes commandes et ça fait plaisir. Merci. Merci. Je réfléchis. Oui, différents petits tests, hein, comme d'habitude. Je continue mes phases de test. J'essaie de peaufiner. J'ai préparé un habillage, enfin... j'ai fait des éléments de graphique que j'ai pas encore apporté
Ça viendra peut-être demain matin, si j'ai vu demain matin que j'ai le temps de faire le transfert d'un ordi à un autre. Que je bosse sur un portable graphisme, c'est plus facile, moi, à vue. Et je vais fort bien, merci. D'ailleurs, je vais te faire un aveu, si je diffuse, c'est que je suis bien. Je vais pas me présenter pas bien face à vous. Là, j'ai une bonne semaine bien chargée, une bonne rentrée à toutes et tous, hein, toi aussi, Zex de Citron. Ça, voilà, la cadence est déjà bien appuyée, et ça fait plaisir de décompresser un samedi matin. Mercredi, où j'ai eu une grosse journée de boulot avec une réunion de travail, je rêvais déjà d'être lâchement à samedi en me disant je vais mourir les chakras et je vais décompresser en votre compagnie. Ouais, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi, Zex. Zex de Citron. Alors, dans l'immédiat, pour y aller au concret, je vais absolument faire le test de faire une deuxième fois la même course à 350 km/h dans le Val avec la Corvette que vous voyez à l'écran pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais avec une musique de ma composition qui est faite pour techno, qui est parfaitement compatible avec la course automobile qui dure pile poil 10 minutes, qui s'appelle Ride Rhythm, c'est-à-dire le rythme sauvage. Voilà. Et là, il faut absolument que j'essaye ça. Allez, c'est parti! Ah, je vais refaire la course. Ça va pulser, ça va être bien. Vous devriez entendre légèrement le son en arrière-plan. Légèrement, il faut pas non plus que ce soit assourdissant. Ah, ça va me plaire. Là, je suis dans mon kiff. Je suis dans ma bulle, dans mon monde. Complètement. Musique électronique, bagnole, il manque plus que le Japon avec l'informatique, et là... Ah. Je suis à 200% dans mon univers. Allez, c'est parti. Ah, j'en reviens pas, le coup de l'huile. Je fais 10 courses avec, elle est déjà... Ouais, elles sont à l'air bien, oui, merci. Bah, j'étais en confiance déjà le week-end dernier, à la précédente émission de test. J'ai rendu sourd Cadeau Anthony, que je salue d'ailleurs, beaucoup. Ah, le mix! Oh, oui, merci, ma composition, ouais. C'est l'un des morceaux dont je suis le plus fier. J'ai composé déjà une centaine de morceaux, j'ai commencé en 99, ça me rajeunit pas. J'ai composé une centaine de morceaux, je m'apprête à bientôt publier mon 4e album. Alors, c'est de la musique gratos hein, que je fais. Vous pouvez aller voir mon site d'artiste qui est en ruine, parce que je ne le mets pas à jour depuis longtemps. Tu peux taper point d'exclamation Psycho. Psycho, c'est mon pseudo d'artiste d'il y a 20 ans. Donc point d'exclamation PSYCHO. Et tu auras dans le chat, tu auras le lien pour télécharger gratos mes œuvres que j'ai publiées. Donc la centaine de compos que j'ai déjà faites, il y en a certaines que je me garde pour pas que j'ai pas encore publié parce que je suis pas spécialement satisfait du boulot. Du résultat. Et en gros, bah, c'est des compos que je vous mets là, je vous mettrai en arrière-plan dans le direct de Twitch, parce que ça fait un habillage sonore en plus, quoi. Ça passe discrètement. Voilà, merci Zex de Citron. Bah, je suis déjà à 330 km/h, sachant qu'elle peut pousser jusqu'à 350. Et là, je devrais avoir course gagnée, sauf incident. Je devrais la remporter les doigts dans le nez. La musique en arrière-plan, c'est cool. Après, je suis en train de me demander si je peux peut-être pas bien de légèrement monter le volume de la musique. Oh non, je suis chahuté. Je suis chahuté. Là, ils sont juste derrière moi. D'ailleurs, je les percute en... Waouh. Non, là, c'est pas aussi simple que la fois précédente. Peut-être que je me détache un peu avant de faire le mariole. Ouais, là, je suis en train de les gratter. Là, à mon avis, eux restent à 330 et moi, je peux monter à 350 si on n'est pas là. Ce qui m'arrange bien. Oui, t'as déjà mis le site de côté, ouais. Bah, j'en avais déjà parlé précédemment. Enfin,
ça n'a guère d'importance, hein. Évidemment ça va pas, disparaître comme là. J'ai envie de dire, de mon vivant, je ferai tout pour que vous ayez accès à mes œuvres gratos. Je les internet. Alors, tu pourrais monter le volume de la musique, baisser le son du jeu. Le bruit du moteur couvre légèrement la musique. Ok. Alors, je suis ébahi. Je touche à la souris pour aller sous l'île, alors que je maintenais d'une main l'accélérateur de sur la manette PS2. C'est un numéro de cirque que je vous improvise. Là, la musique, on va l'entendre. Je
aujourd'hui, je pense qu'on pourrait même me critiquer en disant que j'ai le fessier entre les deux chaises, entre un peu du synthé à la Jean-Michel Jarre et du. Et de l'électro de manière générale, techno. Et Vincent prend un tour. Et il y a la Honda S2000 qui est en stand. Donc j'ai course gagnée là. Sauf incident, normalement, j'ai qu'à promener et je vais toucher mes 25 crédits. C'est la course la plus rentable pour moi et la plus facile en ce moment dans mon Twismo. Donc de temps en temps je me la fais 2-3 fois en soirée pour me détendre. Et ça me met des trucs dans l'escarcelle pour équiper mes autres bagnoles. Le morceau qu'on a entendu, normalement tu dois pouvoir le télécharger sur mon site. Faudrait que je vérifie. Mais oui, en plus, comme c'est un des morceaux dont je suis le plus fier, je l'ai forcément glissé dans un de mes 3 premiers albums qui sont intégralement téléchargeables. Donc oui, tu y as forcément accès. C'est Rider's Rhythm que je t'avais joué là, le sauvage. Ce morceau correspond bien à un jeu de course, je trouve. J'ai des souvenirs de Ridge Racer. On me revient avec ces images et ce son des courses de nuit. Des courses de nuit, j'en ferai sur PS2. Je pourrais peut-être le faire d'ailleurs, commencer dans ma phase de test et pas forcément tout le janvier prochain. C'est une série que j'aime bien, là, de Rockstar. Ils ont fait moteur de Grand Theft Auto, ils ont fait que des courses de bagnole avec. C'est. J'ai mes boîtiers dans mon kiff et je vais vous mettre. Midnight Club, le club de minuit. Midnight Club. Ça, je vais y jouer. Je sais que j'ai le 1 et le 3 sur la PlayStation 2. Je vais voir éventuellement si je sais plus si j'ai le 2. Au pire, je vais l'acheter dans une boutique de casse sur Nancy, histoire de faire les 3 à la suite. Ça, sûr, je vais le faire avec joie. De temps en temps, je vous ferai 2-3 courses. Ah, tu connais pas? Ah, c'est. Bah, imagine-toi en fait, grand tes photos. Rockstar qui a fait un copier-coller avec son moteur et qui a dit on élimine en gros les gus, on met que les bagnoles et on met que les courses de bagnoles. Donc c'est un peu redondant, je l'avoue, mais moi j'aime bien. Voilà, 25 000, nickel, j'ai ma thune, il y a le ralenti. D'ailleurs je bois un coup parce que j'ai soif. Pour le coup je vais boire le verre d'eau, enfin la pâte au lait. Je vais regarder l'autre chat voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est clair. Oui, je crois qu'ils ont. Ouais, le GTA Vice City ou le. Je pense que c'est le Vice City à l'époque. Ils avaient pris au moins pour le premier opus. Est-ce qu'ils ont mis à jour avec celui de San Andreas, le deuxième ou troisième opus? À vérifier. Je dirais plutôt oui, parce que le 3 est beau. Pour la PS2. Opus là de Midnight Club, le premier est sur CD, le deuxième je sais pas, par contre le troisième est sur DVD, qui avait déjà plus de contenu et vous voyez qu'on était monté en gamme. À pardon, hein, je coupe dans le là. Je voulais faire quoi, je sais plus. Ah oui, voir s'il y en avait pas qui avaient joué sur le mauvais chat. Non, apparemment c'est bien. Ouais, mais il y a une
C'est cool. Ah, info importante, c'est là où je vais me planter le bouton. Oui, je me suis planté de bouton, merde. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. Alors il y a du nouveau cette semaine, ça y est, j'ai ouvert ma page YouTube. YouTube est absolument génial. C'était comme je faisais avec Twitch il y a des années, c'est-à-dire que je l'utilisais passivement, j'avais pas ouvert de compte, j'en avais pas le besoin. Là j'ai donc ouvert mon compte YouTube et j'ai ouvert donc ma page Le Sage Mon Site. Vous avez enfin le lien accessible, c'est la nouveauté de la semaine, là vous voyez dans le chat. Au pire, vous allez dans YouTube et vous saisissez Le Sage de Nancy, espacé par des underscores. C'est pas le trait d'union, mais le trait. Le 8, le chiffre 8. Pas le trait du 6, comme on dit en français, mais le trait du 8. Donc Le Sage de Nancy rattaché avec des underscores, le trait du 8. Et vous avez accès déjà à pas mal de vidéos. Je rappelle que je suis un grand maboule depuis que je suis jeune. Nouveau jeu vidéo, dès que je pouvais techniquement m'enregistrer, je le faisais. Ce qui fait que 20 ans plus tard aujourd'hui, j'ai un disque dur de 2 Tera entier bourré de ralenti et j'en ai d'autres un peu partout. Et de temps en temps, j'injecterai des vidéos sur YouTube en archive. Là, je peux honnêtement vous prétendre sans souci que dans les 18 mois à venir, le 1 an et demi à venir, je peux vous garantir que, en plus, comme on peut programmer dans le temps la publication des vidéos, ce qui m'arrange, là je vous affirme, vous aurez une vidéo nouvelle par jour. Alors ça peut être une petite vidéo de 5 minutes, comme ça peut être une monstrueuse de 4 heures. Voilà. Oui, bah t'es le bienvenu, Zex de Citron. Enfin, j'exploite au maximum la technologie. On a les moyens de pouvoir tout archiver en ligne. Moi, ça me dérange pas de publier mes vieilles archives. Vous avez déjà, si vous cherchez bien, dans les premières vidéos, moi, quand il y a 15-20 ans, donc vous allez entendre que ma voix est pas la même. Hein. C'est pas que j'avais pas mué. Mais avec les années, bah, la voix se change quand même. C'est rigolo. Alors, c'est ça qui est dingue, tu disais que ce citron, hein, je te lis littéralement pour ceux qui n'ont pas accès au chat. Tu t'es donné de la matière pour ouvrir une chaîne de flux en continu. Oui, en fait, quand je l'ai fait à l'époque, techniquement, ça n'existait pas, ça se faisait pas à l'an 2000, ça. Mais, je m'étais dit, j'avais envie d'immortaliser mes moments en me disant, plus tard, si j'ai pas le temps de jouer, j'aurais le plaisir de me revoir en train de jouer. Voilà, et bah c'est tout bénef. Je me souviens même d'un gars à l'époque qui me regardait de travers en disant mais t'es babou toi comme mec à t'enregistrer toi-même et archiver ce que tu fais, voilà. Bah l'avenir m'a donné raison. C'est pas comme si c'était à la mode aujourd'hui. Bah voilà, c'est pour l'anecdote. Et je suis bien content. Et oui, je suis tranquille. Hein. Alors là, le contenu, des milliers d'heures sur plein d'œufs que j'ai fait les deux dernières décennies. Je vais me retrouver sûrement avec 10 000 vidéos, sans déconner. Je pense que je peux prétendre me retrouver d'ici 2-3 ans avec 10 000 vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. Le temps de balancer en copie ce que j'ai sur les disques durs. Bref, voilà, c'est l'anecdote heureuse, je dirais, pour l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors évidemment, je me garderai certaines vidéos, dont pas mal de Minecraft des années précédentes, parce que j'ai joué en privé avec la famille, que ce soit mes neveux, nièces ou des cousins. Donc ça, je garderai ça pour moi, je fais un très bon. Mais vous verrez, il y aura du contenu à outrance. Je vais essayer de bien titrer mes vidéos pour facilement les repérer dans ma chaîne. Je voulais dire quoi d'autre? Le Discord n'est pas encore ouvert, ça viendra plus tard, ou plutôt en novembre, ou plus tard en décembre, je vous en parlerai, ça presse pas. Tu m'as posé des questions, peut-être que je te lise au lieu de m'arrêter quand tu es furieux. Là, attends, je vais te relire, celle de Citron. Alors, attends, qu'est-ce que tu m'as dit?
Alors, question, pour les tests d'habillage, connais-tu le site Streamlabs? Un site détenu par OBS, me semble-t-il, avec des outils personnalisés pour le chat, alerte, etc. Alors, de nom, je connais Streamlabs. Je connais un petit peu la coulisse de Streamlabs grâce à FunFan, mon ami FunFan, qui m'a demandé déjà de l'assistance au niveau de ses alertes à lui. Moi, pour le moment, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de matière à programmer Wisecode. Wisecode, je le rappelle, j'ai cassé la tirelire dans le sens où j'ai investi, j'ai acheté le compte illimité, j'ai accès à toutes les fonctionnalités et 24h sur 24, vous, 24h sur 24, dans mon chat, vous pouvez jouer à la pêche, vous pouvez jouer au casino, je sais même plus où sont d'ailleurs les liens, il faudra que je les redonne, mais... Voilà, hop, je remets voilà, le casino pour ceux qui veulent jouer. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tant que les serveurs et le service Wisebook est en ligne, vous pouvez vous amuser quand moi je suis pas à l'antenne. Et même quand je suis à l'antenne aussi, voilà, faites-vous plaisir. Donc Streamlabs, peut-être que je le prendrai si j'arrive pas jusque-là à mettre en place tout ce que je veux mettre en place. Il me manque, mais ça je le dirai quand je ouvre ma véritable chaîne, d'avoir le compteur comme l'horloge, mais le compteur pour qui est le nombre de personnes en ligne, le nombre d'abonnés en direct, le dernier tour, le machin là, un peu pour tout le monde, ça viendra aussi. Et ça je vais le programmer en dernier plutôt l'année prochaine. C'est pas le plus urgent. Streamlabs est gratuit. Et se combine avec Wisecode. Oui, très bien, merci pour l'info, Zexocitron. Alors, là, en plus, tu me dis qu'il est gratuit, donc il est probable que aussi je lis Streamlabs un peu plus tôt et prochainement, les semaines à venir, je le cuisine et je le cuisine à ma sauce pour obtenir tout ce que je souhaite. Ok, merci pour l'info, Zexocitron. Je continue à te lire avec grand plaisir. Alors, je remonte mon chat. Tu m'as dit quoi? Oui, t'es allé voir ma chaîne YouTube, merci, c'est avec joie. Tu t'es donné de la matière, je t'ai répondu. C'est pas comme si c'était à la mode aujourd'hui, tout juste, oui. Voilà, Streamlabs, voilà, bah, je t'ai lu intégralement, c'est bien. Je regarde rapidement si j'ai pas mis un vent malencontreux à ceux qui sont connectés au chat de la chaîne de diffusion qui est pas la même, blablabla. Je vais pas me répéter. Qu'est-ce que je vous mets comme musique de mes comptes? Oh là là, j'ai la chose dans plein de trucs. Je suis en train de survoler ma liste sous une angle. Il y a des trucs, il faudra que je vire. Parce que c'est des délires en fait, mais qui sont pas des musiques. Donc ça pourrait vous surprendre si c'est diffusé à l'antenne. Voilà, je vais mettre ça, c'est une bonne sélection dans les minutes à venir. J'aurais pu me préoccuper dans l'heure qui suit de mes musiques. Ça passera tranquillement en arrière-plan. Je vais peut-être me faire un petit... continuer un peu dans Grand Turismo. Donc sachant que je ne coupe pas le signal vers 13h, après 13h, je reste encore, on va dire, une heure et demie avec vous. Que dire d'autre dans les tests? Alors aujourd'hui, malheureusement, je testerai pas Minecraft. Je voulais tester Minecraft, mais depuis qu'il y a le rachat par Microsoft du jeu de Mojang, le fait de se connecter avec un ancien compte, c'est casse-noisette. J'avais noté sur le papier mes identifiants, ça marche pas. Il va falloir que je me rebatte comme je l'avais fait sous Linux. Et là, je suis sous Windows. Pour diffuser, donc ce sera pas ce week-end, encore que pas ce week-end. Peut-être encore une tentative pour demain, on va voir. Conditionnel, je suis pas sûr. Par contre, tout à l'heure, on va au minimum se quitter sur le Project Zomboid, le jeu que je ferai de temps à autre assez régulièrement sur ma chaîne parce que j'aime ce jeu. Je vais vous le présenter brièvement tout à l'heure avant de couper le signal. Là il est prêt, j'ai changé la résolution, j'ai résolu le problème ce matin. Ça c'est le bon point de ce samedi, enfin de cette semaine.
Oh, je vais peut-être faire une autre course, je veux pas vous faire 10 fois la même. Je vais prendre un peu de risque et je vais faire une autre course. Ouais, bah celle-là serait stylée, Grande Vallée, elle est un bon circuit. Je vais mettre un peu en difficulté, je sais pas si je vais réussir à gagner ou pas. Je reste jusqu'à midi, mais tu viendras regarder le direct plus tard. Oui, merci, mais merci pour l'info, voilà, évidemment libre, tout à chacun, en fonction de vos occupations, de vos agendas. Oui, le replay. Oui, alors le replay, tu auras des infos au début. Au début, j'ai fait du Fallout Shelter, je vais vous donner voilà, l'info, à chaud, et du Duke Nukem 3D. Ambiance nostalgie. Ouh, des merveilleux points, les salto. J'ai fait un petit niveau du Duke Nukem 3D, l'épisode, lorsque Duke se rend sur la lune. Alors oui, là j'ai la... J'ai les réglages de, pour le grand ovale, mais pas pour le... Faut que je me réapproprie mon bolide. A mon avis, cette course, ça va être de la mouille. Il y a 7 tours. Ça va durer un petit moment. Mais bon, pourquoi pas. Vous allez voir que je vais finir bon dernier avec le fait d'être doublé par tout le monde avec un tour d'avance. Ouais, le bon du Duplicate 3D, là aussi détente, de temps en temps je vous ferai un niveau du Duplicate 3D à ma guise. Peinard continue. Je conduis n'importe comment. Enfin, j'aurais pas dire conduire, mais piloter. Ah, j'aurais pas allé au stand puisque j'ai mis les pneus d'homme dur. C'est une catastrophe. De te soumettre la question, Zach de Citron, est-ce que tu as une idée d'avoir une possibilité que toi tu reprennes l'antenne sur ta chaîne? J'avais grand plaisir à te suivre. Je sais que tu es bien occupé hein, à ta discrétion, mais je te cache pas que ça me manque de te voir à l'antenne. Oh oui, je fais un pilotage lamentable. Ouais, en fait mon réglage de boîte de vitesse là c'est pour la vraiment la pointe de vitesse et pas pour l'accélération. Alors que j'aurais misé sur l'accélération, je serais peut-être sûrement aisément comme les... C'est normal, j'ai pas fait les réglages des pointes. Je suis plus concentré à gérer ma chaîne, à vous répondre dans le chat. Et à réfléchir à ce qu'on reste à faire. Thank you.
7 de notre codex. Et honnêtement, j'ai pas fait exprès. Alors, je vais essayer de prendre la semaine prochaine. Ah, youpi! Ah, cool. J'ai un peu de mal à me relancer, mais si tout va bien, je vais me relancer les mardis et jeudis soir, comme avant. Ah ouais, cool. Et j'ai freiné trop tard. Ça va. À mon avis, on verra la fumée au ralenti. Et là, j'ai pipé sur la pédale de frein. C'est une horreur. Elle ne ressemble pas. De ta présence, ça m'en service. J'en reviens sur le coup de YouTube. En dehors du week-end où je peux me détendre, il arrive quand même que je puisse un peu me relaxer en soirée. Une fois que j'ai fini de bosser et qu'il me reste un petit peu de temps libre. Et je me fais en ce moment des petites sessions d'une heure le soir sur Oblivion, The Elder Scrolls 4, que je découvre, je le connais à peine. Je l'avais fait il y a quelques années, mais. Quelques dizaines d'heures, je suis pas allé loin, j'ai à peine démarré la quête principale. Et là, je m'y lance sérieusement. Pardon. Et ça fait partie donc des épisodes que je dépose dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir, j'incarne le haut elf que j'ai prénommé Gwendoline. Un prénom que j'aime beaucoup, Gwendoline. Un prénom breton, je crois. Je fais n'importe quoi, tête à queue. Bref, point d'exclamation, saga. La saga du moment. Votre feuilleton. Au pire, c'est pas grave, je chargerai de faire la saison, pas la course. La saga du moment. C'est adorable. Et voilà, je donne l'honneur direct sur la bonne liste de lecture. Voilà, c'est pour la détente, ceux qui veulent regarder. En gros, vous avez un épisode, je pose un épisode par jour, trois quarts d'heure, une heure. À la moyenne, c'est une heure. Ça peut aller de trois quarts d'heure jusqu'à une heure et quart, voire une heure et demie si je suis dans un truc haletant et que j'oublie de couper. Mais c'est tout bénef pour vous. Voilà, je me partage. Comme c'est bien romancé, c'est bien écrit. Parchemin des anciens, ça doit se prendre. Voilà, le format idéal. Voilà. Comme c'est déjà un jeu qui est plus jeune, c'est le plus là, bah, il y en a certains entre nous qui peuvent être nostalgiques. Pour se remémorer l'histoire que le jeu découvre totalement. J'ai acheté en version anglaise sur Steam le GOTY, le Game of the Year, c'est-à-dire traditionnel. Et je l'ai réinstallé donc récemment pour jouer. Je suis amusé à demander à Steam qu'il me télécharge le jeu en français. Mais du coup, les DLC traditionnels restent en anglais. Ce qui fait qu'il y a un mélange déjà assez particulier. Et je trouve que c'est enrichissant de mélanger le français et l'anglais. Ça fait un bon univers plus cosmopolite avec des personnes qui répondent en anglais et d'autres en français. L'interface principale est en français, donc c'est très bien. Je l'avais acheté en anglais, pourquoi? C'était pour entretenir justement. Je perds pas trop le peu que je maîtrise en langue de Shakespeare. Et je trouve que le rendu est intéressant. D'avoir le caissier entre deux chaises, entre deux français, ça rend bien. Un peu tiqué pour l'avoir vécu récemment là, c'est d'avoir un même perso. Il y a une réplique en anglais et une réplique en français oralement, et c'est pas les mêmes voix, donc ça fait bizarre. Tiens, le mec il a un chat dans la gorge ou quoi? Je sais pas, nous quoi, ça n'empêche pas l'immersion.
Ah, pardon, le son de la musique est trop fort. Attends, là pour le coup, je vais faire pause parce que. Ouais, je reviens à un son normal. Merci de le préciser, Zedus. On continue. Oui. En espérant que mon propos ait été compréhensible. Ah, c'est même pas, en fait, c'est même pas, mais je vois ce que tu veux dire quand tu parles de la traduction. Là, pour le coup, non, j'ai envie de dire, c'est moi qui suis en tort. Parce que j'ai donc, je le rappelle, acheté le jeu en anglais, et j'ai demandé récemment à ce que Steam le réinstalle en français. Donc j'ai le noyau du jeu en français, et les extensions en anglais. Et c'est pêle-mêle. Et c'est, alors c'est bien, non, ça bug pas. J'espère d'ailleurs, si je m'expose à ce risque-là, que ça bug en pleine carrière, j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que c'est pas. Voilà, c'est pas censé fonctionner comme ça. Mais je trouve que ça a son charme. Non, moi je dirais pas que c'est un oubli. C'est juste le mélange entre le contenu additionnel en anglais et le noyau du jeu en français. Mais ce que tu dis peut se produire également. Mais là, pour le coup, je l'attribuerais pas à un oubli. Enfin, on ne pourra pas le distinguer dans ma version à moi. Franco-anglaise pour le coup. Pareil, je fais pareil, mais par contre, je le ferai sûrement. Oui, je le ferai en direct plus tard la série Fallout. J'adore Fallout. Je pense pas que je vous ferai le 3 parce que le 3, je l'ai complètement fumé avec ses extensions. Par contre, je recommencerai avec vous en direct sur ma chaîne le Fallout 3,5, comme j'aime l'appeler, qui est New Vegas. Le NV, le New Vegas. Je l'avais commencé et j'ai jamais eu le temps de le terminer. Et depuis, j'ai oublié. Donc, je redémarrai le début. Je me souviens qu'il y a un robot automate avec un écran, un vieux écran de télé, en guise de visage, qui poursuit. C'est assez oppressant. Mais le reste, je m'en souviens. J'ai quelques scènes du New Vegas en tête. Mais c'est trop vague. Faut que je recommence du coup. Oui, t'as raté le coche pour Deus Ex. Alors, ma partie de Deus Ex, je la publierai également sur YouTube, et que l'année prochaine. Pourquoi? Parce que je veux pas faire de l'ombre, et je veux pas court-circuiter mon copain Fun Fan, dont je commande justement les épisodes les samedis en ce moment. Et ça me fait une transition toute trouvée pour vous dire que ce samedi-ci, exceptionnellement, Fun Fan ne fait pas d'épisode comme on fait. Moi, ça me permet de souffler un peu. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, à partir de 14h, je passe sur sa chaîne, j'ai le plaisir de modérer, va diffuser du Grand Theft Auto 5 avec des petits jeunes en ligne. Donc ça change un peu la donne. Par contre, le Deus Ex commenté avec Fun Fan, vous le retrouverez samedi prochain à partir de 20h. On rebascule dans les horaires habituels. On a quitté nos horaires estivales, puisqu'on est en septembre. Je repréciserai ça tout à l'heure, dans une heure et quart, quand je reviendrai le montage. Bref, à la route. Ah, les premières versions de Mass Effect, ouais, c'est bien. Voilà, que les autres sachent que tout le monde sur ta chaîne fait du Mass Effect. Et un jeu absolument génial. Niveau immersion, histoire, on s'attache aux personnages comme jamais. C'est très très bien réalisé, écrit la trilogie Mass Effect. On parle pas du dernier Andromeda, hein, qui est très critiqué, de manière positive comme négative, mais malheureusement très négative. Et je peux pas juger, j'ai pas joué à Andromeda. Je sais pas si je le ferai, on verra plus tard. C'est pas une priorité. Mais pour avoir joué à la trilogie, voilà, ça vous
j'en ai le souffle coupé tellement que c'était grandiose. Vraiment grandiose, un chef-d'œuvre. Moi, il fait clairement partie de l'anthologie du jeu vidéo, ça fait partie des classiques auxquels on doit se frotter. Et grand Mass Effect. Avec le héros Shepard. Ah, jusqu'au dernier tour, j'aurais fait 9. Donc à mon avis, je vais avoir que le coup gratuit, parce que je suis mon dernier. Mais ils ont tous franchi l'arrivée, moi je suis toujours à la peine. À l'occasion, il faudra que je reconfigure ma Corvette, que je fasse des réglages dans l'accélération et l'adhérence. Pas dans la configuration ovale à 350 km/h. Donc à plus, hein, je vois qu'il est midi, Zex de Citron. Merci tout plein, à plus. Hop là. Au pire ou plus tard, j'aurai plaisir de te retrouver sur ta chaîne. Là, je vais avoir l'occasion de faire ta pub comme la dernière fois avec joie. Voilà. Ceux qui sont intéressés regarder mon chat, vous avez le lien pour aller sur la chaîne de Zex de Citron. Donc il reprendra les diffusions théoriquement la semaine prochaine, les mardis soirs et jeudi soir, et ça c'est cool. Ah, je vais boire un coup. Et il souhaite. Oui, bah oui. D'où l'intérêt d'incorporer le... Non, c'est comme ça que je veux faire. D'incorporer l'horloge dans le signal vidéo pour tout le monde. Et consomme l'heure qui passe. Donc à plus. Merci. Merci d'être passé Zex de Citron. Alors, est-ce que par hasard, il y en a qui seraient perdus sur le mauvais chat? Merci pour ce petit moment, bon courage pour les tests, à très vite. Ouais, merci, ouais. J'ai testé dans une demi-heure Penard ou PZ, projet de Zomboid. Et j'aurai encore suffisamment de nouvelles données pour pouvoir ce podcast à vérifier. Bonne chose, Ethelis, de Sico. Oui, ça va. Il n'y a pas d'égaré sur le chat. Ça se passe bien. Hop là. Ah. Ah. Ouais, j'avais mis bien, je comprends automatiquement mon propre jeu de pêche, c'est n'importe quoi. Comment j'ai coupé comme un sagouin. C'est n'importe quoi. Le truc qui se fait pas. Ah, je me pose 5 minutes là. À recharger mon téléphone portable. Il n'a plus qu'un tiers de batterie. Après, je me charge dans la main. Moi, je vais me faire avoir pour les mains.
Ah, c'est beau. Le dérapage. Je vais relire ma sacro-sainte feuille. Voilà. Alors. Ah, c'est vrai, il y a le Twitter aussi. J'ai oublié de programmer le Twitter. Je le ferai tout à l'heure, hein, je crois. Le frère en antenne. Mais c'est vrai que j'ai mis avec les chants d'oiseaux, puisque c'est un piaf tweet. C'est-à-dire gazouillé normalement en anglais. Ouais. J'avais fait une commande F5 pour des pépins. La fameuse commande de rafraîchissement. Oui, c'est bien, ouais. Il me reste encore des commandes à programmer. On reparlerait plus tard dans les prochains numéros. Alors j'ai résolu le problème du chat de la dernière fois où bêtement je coupais le chat à moi avec la censure alors que vous n'êtes pas censé voir quand il y a des incidents. Donc le problème est résolu. C'est cool. Donc là vous avez en fait le chat de Monsieur Tout le Monde. Ouais, dommage, tant pis, Minecraft on verra plus tard. Mais j'ai toujours pas commencé mes animations pour les semaines à venir. Je ferai les animations pour quelqu'un qui s'abonne, qui suit, qui fait un don, etc. Les fameuses séquences vidéo. Je vais carrément me dessiner. Moi j'ai la prétention de dessiner un truc à la main. Voilà, je vais faire des trucs, des maisons. Pour moi, j'aurais pas de problème de droit d'auteur, pas moi. Comme ça, j'aurais la prochaine tranquille. Vas-y, vas-y. Je vais peut-être faire une dernière petite pause. Il et puis voilà, on fera une demi-heure de PZ. Tu seras bien. Change la musique. Donc, c'est bien. Et tranquille. Un petit dernier coup d'œil sur le, ouais, le chat. C'est bien, même en direct, je peux discrètement regarder ce qui se passe sur mon Discord. Ah oui, il se passe des trucs. Ah. Oula, oui, je joue une info perso. Ah, il y a FunFan qui est en train de me dire que son... Oula, FunFan qui est en train de me dire que son direct de cet après-midi avec Panté Photo 5 apparemment est annulé. Il doit être en joueur. Alors autant que je peux vous dire pour au niveau de l'agenda avec FunFan, demain c'est la première fois que vous allez me voir jouer en ligne avec des copains sur sa chaîne à FunFan, hein, donc je vais refaire sa pub à lui. On va jouer à un jeu de gestion médiévale et de bataille qui est Stronghold. Frobos vous le présentera très bien, il est fan de jeu, c'est lui qui nous l'a présenté et offert, merci à lui. Normalement ça devrait marcher. Non, mince, je me suis loupé. Ah bah oui, j'ai écorché son... J'ai écorché son pseudo. Ah, puis il n'y a même pas son lien, c'est cassé. Oh. Bah, bref, bonne fan. Ouais, que je revois ça. FunFan, du coup, on se retrouve sur sa chaîne demain,
dimanche après-midi à partir de 15h, pas avant. Moi-même, j'ai des obligations avant. Et, par contre, nous, je pense que je rediffuserai demain matin. En gros, pareil, 9h, 9h, 13h, vraiment en gros. Alors, je vais choisir une autre course, peut-être une autre bagnole, on va changer de bagnole. Très bien. J'arrive dans mon garage. Ah, tant que je l'ai, je vais aller changer l'huile. Comme l'huile est pourrie. Voilà, oui, effectivement, elle n'est pas verte. Faut que l'huile soit verte. Voilà qui est mieux. Ah, ma voiture favorite. Mais j'étais fou, hein. C'est la Celica. Je vais me faire quoi comme course? Je sais pas. Hein, si j'essayais la Ligue Amateur, mais en... Ah non, il n'y a pas... ouais. Il n'y a pas ce à quoi je pensais. Ouais, je vais faire Tokyo. Oh oui, là, il va y avoir au moins 5 tours comme c'est... ouais, on va voir. Disons que je vais pouvoir faire 5 tours, ça va bien un petit mot. Ah non, 3 tours, ça va, super. Donc à mon avis, en moins d'un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure, c'est arrivé. Peut-être même 10 minutes d'ailleurs. La voiture est pas si lente que ça. Oh, c'est beau. Alors pour anecdote, je le répéterai à mon avis 10 fois dans l'année à venir. Ce circuit-là, j'y ai un attachement particulier. Pourquoi? Dans l'anecdote, il se trouve que c'est véritablement une partie de Tokyo qui est modélisée. Et c'est le quartier où se trouve le siège de Sony, Sony Entertainment. Sony qui est le constructeur donc, de la PlayStation. Et on le verra sûrement dans le ralenti, là, il y a lorsque les bagnoles passent dans la grande ligne droite de l'arrivée, il y a un plan spécial en contre-plongée sur l'immeuble de Polyphonie, la société qui développe Gran Turismo. Je sais plus si c'est Polyphonie ou Polygram, je sais déjà plus. Enfin, je crois que c'est Polyphonie Digital Entertainment. Et la même rue, il y a le siège de Sony, enfin du moins à l'époque, il y avait le siège de Sony. Et donc c'est des rues modélisées de Tokyo qui existent vraiment, hein. C'est pas un parcours imaginé. Alors en vrai, que je sache, il n'y a pas de circuit automobile qui se déroule dans les rues de Tokyo, là, dans ce quartier. Mais les... c'est de la modélisation 3D en fait, en vrai, du quartier où ils sont installés. Et le centre, en fait, quand vous regardez la carte du circuit, le centre, il faut savoir que c'est un temple Shinto, le Shintoïsme, qui est la religion numéro 1 au Japon. Donc il y a même une bambouseraie à visiter au centre. Je me suis amusé à regarder dans Google Earth une visite virtuelle et ça vaut le coup d'œil. Et tout ça pour vous dire que c'est un rêve de vie. Je ne sais pas si j'aurai la chance de le réaliser dans ma vie. C'est d'aller sur place en vrai, de m'offrir un voyage au Japon et aller sur place dans ce quartier et faire en marche à pied le long du trottoir le circuit qu'on a là à l'écran dans le jeu. Reprendre les mêmes rues, c'est possible. Je rêve de faire ça dans ma vie. De le faire en vrai. Donc si ça se produit un jour et que j'ai cette chance, c'est évidemment un truc que je vais filmer en caméra embarqué sur moi. Je publierai à l'occasion, enfin, voilà, si j'en ai les moyens. Je n'hésiterai pas à le faire. Je vais le faire, voilà. Parcourir à pied en vrai ce circuit-là. D'ailleurs, quand on voit cette portion avec des voies rapides, je suis même pas embêté à me dire est-ce que j'aurai accès à pied, à
avec les trottoirs, parce que c'est des voies rapides et enfin, c'est peut-être un perdu. Enfin, je trouverai de quoi m'adapter. Passer proche en vrai. Je le ferai plus tard, je ne sais pas quelle année. Il n'y a rien de posé dans le calendrier, vraiment en fonction de la crise sanitaire qu'on traverse. Et de mes moyens, de mes revenus, mes temps libres, on verra. Mais c'est un rêve de vie. Il faudra que j'essaie de réaliser ce rêve. Et je vous en ferai part avec joie. Wally Wallou, je vous ai mis dans le secret. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse une commande dans le chat, un tais-toi ou silence, pour vous m'inviter à ce que je me taise quand je suis un peu trop moulin à parole. Je vous avais raconté dans l'épisode précédent ma peur du blanc, du vide en tant qu'ancien animateur radio, de toujours garder le, capter le, l'attention du public, et à l'inverse, j'ai peur d'être soudain. Donc de temps en temps, je crois que je vous offre l'occasion de. Me dire que je redoute me taire. On va voir, je sais pas quelle forme encore ça va prendre, mais ça me trotte dans la tête. Ah, dernier tour. Et je suis bon dernier. Mais bon, je cherche pas à faire la performance. C'est pas du tout du jour, j'ai freiné trop tard, mais ça va. J'ai pilé encore une fois. J'ai entendu la Toyota Civica déraper. Je vais tendre mes jambes. Je suis en train d'ailleurs de me poser la question. Je suis en train de rebondir sur l'info fraîche que je viens d'avoir de mon ami FunFan. Comme quoi il fait pas le direct cet après-midi. Alors cet après-midi, il faut que je bosse quand même. Par contre, du coup, je suis en train de me poser la question si je vais pas faire un petit direct exceptionnellement ce soir. Pas sûr. Hein. Je m'entraînerai peut-être. Maintenant, en refaire un demain matin, on verra. Si j'ai vraiment intérêt à diffuser un peu, peut-être que je le ferai. Ouais, je le ferai peut-être une soirée, grande pause pour 3 minutes. Conditionnel. Rien n'est gravé dans le marbre. T'es malléable. Volatile dans l'agenda. Faut aussi que j'entretienne mon chez-moi. J'ai un peu de ménage à faire. Mais je pourrais peut-être trouver un compromis dans mon temps libre dessus. Ouais. Ah, plus je réfléchis, plus je me dis que je suis tenté à faire un petit direct pépère ce soir. Sympa. J'arrive à faire deux fois trois heures aujourd'hui. Voilà. Voilà, là la fameuse rue où il y a le siège de l'entreprise. Voilà, j'ai fini. Oh, j'ai une pression à mieux. Complètement la ramasse le chrono, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Hop. On va mettre le ralenti. Il me permet, moi, dans la coulisse, de bidouiller 2-3 trucs.
Bah tiens, je vais en profiter pour éditer à chaud ma commande. Mince, j'avais dit quoi? Habitude. Que je change l'ordre de mon pavé Discord, que je le mette en premier puisqu'après on voit plus le lien dans le intervertir la l'ordre des points. Ce sera mieux pour moi et pour vous aussi. Pas d'annerie, moi je peux relancer ma pêche. Tac. Tac. Donc j'ai un mulet à grosse tête. Hop, je rebalance les. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Pardon, je remets mes chaussettes. C'est un coup à avoir froid. Si je mets mal les. On fait n'importe quoi. Aïe aïe aïe, avec mon jeu de jambes là. Oh. Oh, elle est belle. Elle est belle. Voilà, c'est le fameux plan là. On l'a vu. Le plan sur l'immeuble. Voilà le comment du pourquoi, vous savez maintenant. Ah là là. Oui, elle est magnifique. Je gagade devant ce projet de voiture. Bref. Bref, je vais pas tarder à reprendre les manettes en main pour une dernière course. Et on va se faire une zone de vide. Allez, une petite dernière. Et après, on passera avec mon boy. Oh, ma GT Four. M'amuserait bien à m'acheter des pneus terre et à faire pour la première fois une course rallye. Juste pour le délire sans prétention. Ce serait sympa comme dernière course. Très bien. Surtout pour ceux qui connaissent le sport automobile, la Toyota Celica est une célèbre voiture de rallye. Et là, je vais m'amuser à foutre sur terre la version Allspad en route. C'est drôle. Ah, je me souviens pas que ça coûtait aussi cher. La vache, 22 950. Et c'est un budget. Pas de toute chose. Ah, allez, course. Spécial de rallye.
Quel choix. Oh, je sais plus les circuits. Il y a des beaux. Hein. Ah oui, et puis il y a aussi la mégalopole de nuit. Enfin, de nuit sous la pluie. Super balèze. Je ferai une autre fois. Pas. Oh, et puis. Tahiti. Allez, Tahiti, on va faire la première de Tahiti. Ouais, c'est sympa. On est inscrit, on va y aller. Ouais. Ah, il fait beau. Sur Nancy, il fait beau aujourd'hui. C'est cool. C'est ensoleillé. Ah, je suis contre la lancée évolution 7. Deux tours, à mon avis, elle va largement gagner. Je serais très surpris de remporter la course. Je sais pas quoi. J'ai nullement cette prétention. J'y vais babafouille. Oui, même à l'accélération au départ, elle me gratte. Comment ? Je peux pas tester, comme dirait les jeunes de Chine. Mais il va me faire mordre la poussière. Littéralement. Ça va être ça. Oh ouh ! C'est stylé. C'est stylé, j'aime ça. Alors que c'est une 4 roues motrices, la version GT Four, donc c'est la version 4 roues motrices. Je devrais être à mon aise, mais non. C'est genre j'en bave, c'est magnifique. Ah, déjà pour l'époque, le réalisme du jeu, là, du simulateur, etc. Non, mais on s'y croirait, moi j'adore. Génial. Mais c'est limite si mon cerveau ne suggère pas un parfum de fleurs par rapport au fait qu'on soit à Tahiti. Tahiti Bush. Oh, elle a du mal à monter la côte, la Silica. Elle est à la peine. Ah, encore que l'autre avait l'air aussi. Enfin, pas mieux. Je laisse surprendre à rattraper quand même et à tenir un peu tête à la Mitsubishi Lancer. Ah, c'est plus équilibré que je ne l'aurais cru. C'est intéressant qu'il y ait autant de suspense là dans la course. Je suis ravi de pouvoir vous offrir ce spectacle en direct. Ah. Oh, le clocher il est beau. Oserais-je dire qu'il y a un suspense haletant? Ah, on va rejoindre l'arrivée puisqu'on est revenu sur l'asphalte. Au niveau du tracé, là on est sur la côte. On va revenir au village. Ce magnifique circuit de Tahiti Main. Hop là, un coup de bouclier. Et j'ai encore mon adversaire à vue. Bien. Et je me défends. Ça fait plaisir. Et je l'ai pas trop dopé, hein, ma Toyota Celica là. Je peux pas dire qu'elle est d'origine parce que j'ai modifié 2-3 pièces, mais pas tant que ça. Plaisir. Il faudrait que j'essaye de me mettre en tête de me préparer une bonne voiture pour le rallye. Parce que si je gagne 3. Pas que je dis ça, non, c'est difficile. J'ai fait la première course, c'est plus facile. La troisième, c'est avec un adversaire qui vaut de voler. Donc, à l'idée de pouvoir décrocher la timbale, c'est la voiture en cadeau. Je pense pas que ce sera avant un moment. De toute façon, le simulateur était bien programmé pour se faire équilibrer de bout en bout. Au moment de la carrière de pilote, mais on a déjà largement de quoi se faire plaisir avec ce que j'ai progressé ces dernières heures de jeu. Eh, c'est pas mal, franchement je m'attendais pas à avoir la Lancer Evolution à vue tout le temps. Le ralenti va pas être dégueu à mon avis. Je serais tenté de le laisser en intégralité pour faire la causette pendant ce temps-là, avant de basculer dans Project Zomboid.
Ça me laissera d'ailleurs le temps de le préparer et de faire une transition rapide. Pour... C'est génial, c'est le scénario idéal. C'est le bonheur. Ah, bah alors c'est simple, virtuellement parlant, là, le ciel bleu qu'on voit, j'ai le même à Nancy actuellement en vrai. C'est un régal. Je sens qu'on va avoir un bel été indien pour ce mois de septembre 2021. Alors que, faute du joueur français, je viens de percuter le parking sur le côté de la route. J'aurais pu mieux déraper. Ah, on commence à perdre de vue la culture. Oh, comment je vais rattraper ? Ah ! Hey, je piloterai de manière plus soignée, je pourrais prétendre le battre, hein, là. Je peux encore bénéficier de son aspiration. Je suis content de ma course. D'ailleurs, je vais même enregistrer le ralenti. Parce que même si j'ai joué à la manette, franchement, puis je suis content de ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'aurais plutôt la montrer comme ça à contre-jour. C'est mieux. La belle manette d'origine de la PS2. Ah ouais, le ralenti, là, je vais le regarder avec plaisir avec vous. Stylé. Bonjour à tous les anonymes hein, qui me rejoignent. Je joue un peu, j'ai moyen de voir en tant que diffuseur en temps réel ceux qui sont présents. Merci, ça fait plaisir. En espérant que le programme vous régale aujourd'hui. On est là pour se changer les idées. C'est bien. La pêche. Oh, un esturgeon diamant. Mais c'est l'esturgeon, mais pas la variante diamant. C'est pas un Pokémon, hein. C'est un vrai nom de poisson. Le poisson d'eau douce des rivières de France. Oh, l'eau, le lagon, l'eau turquoise. Dans le jeu. Et ben, stylé. Oh, c'est dérapage. Je suis en train de réfléchir avec mon projet de Zomboïde et je crois que je vais mettre mon retour là, histoire de ne pas me faire avoir et m'assurer que vous voyez bien. Lancer tout de suite Project Zomboïde. J'enregistre le ralenti et que j'enregistre ma partie. Ah, c'est bien. En attendant, j'ai le projet Zomboïde qui se charge. La bonne résolution, c'est très bien. Oh là, c'est superbe. Le plan de caméra bien placé.
bien. Le panneau avec la pente à 20%. On l'a vu au premier plan, c'est rigolo. Alors, est-ce qu'on n'a pas des égarés? Est-ce qu'on va être chat pour que ça va? Ça se peut bien. Reposant par certaines phases et entraînant dans d'autres. C'est sur ce que je fais, c'est de ne pas me louper dans ma sauvegarde et surtout sauvegarder sur la bonne carte mémoire, la numéro 1, pas la 2. La 2, je la réserve pour les réglages et les ralentis. Voilà. Ouais, bah c'est bon. Les crédits du jeu. Là. Je suis nappe. Alors, on va passer à de la capture d'écran. Ouais. Le périphérique de capture, on oublie. Là, vous voyez la console, mais vous allez bientôt voir le jeu. Je précise que là, on est sur une projection. Projection Covid. Le fameux PZ. Ah ouais, non, je peux dire qu'on est sur PC. Allez, on va sortir. Ouais, ça me l'a fait bien. Alors, est-ce que je peux avoir un chat? Oh, bonjour, Jess Pinkman, l'homme rose de Suisse. J'espère que tu vas bien. Oui, t'arrives sur la fin, je suis dans ma dernière diffusion direct. Là, je vais quitter la détente GT3. Je vais enfin pouvoir présenter Project Spirit. La musique est forte. La musique est forte, pardon, je mets mon micro devant la bouche. Je vais vous présenter un jeu qui me tient à cœur, qu'on fera régulièrement sur ma chaîne. Qui est Project Zomboid, ouais là normalement c'est bien, vous avez bien le signal. Qui est un jeu de survie, vous êtes seul au monde, voilà, dans une ville américaine. Il y a plusieurs villes dans le jeu et ça se développe, c'est un jeu qui est en cours de développement sur des années. Bref, vous allez le découvrir, je vais vous le présenter si vous ne connaissez pas. Et il y a des phases action en général le jour, et il y a des phases repos la nuit. Et les phases repos, bah, je vais pouvoir papoter avec vous. C'est le genre de jeu que j'adore, où il y a une alternance action-contemplation. Oui, la musique est assez forte. Ouais, c'est bien que t'ailles bien, je suis ravi de te lire, Jace Pinkman. La musique... Oui, d'ailleurs, je vais la baisser. Je vais aller direct dans les options. On va baisser la musique. Voilà. Le son, on va peut-être laisser normal. L'ambiance aussi, c'est bien. Moteur, véhicule, peut-être un peu moins fort. Appliquer. On se sent mieux.
C'est vrai. Alors, je vais démarrer une toute nouvelle partie. Je vais faire un truc pas personnalisé. Quand je me lancerai dans un scénario sur le long terme, qu'on reprendra chaque semaine, chaque week-end, je ferai un truc personnalisé, je vous expliquerai le comment, du pourquoi de mes choix. Parce que je dois, là, sans déconner, le jeu là, je dois avoir 200-300 heures cumulées d'expérience année après année. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Donc là, je suis bien rodé. Je serai à mon aise à gérer ma chaîne, à papoter avec vous et à jouer en même temps. J'aurai plein de trucs à vous raconter. Là, je vais prendre un truc préétabli. Non, peut-être pas le dernier combat, là. C'est un truc à la Rambo. Vous avez 24 heures. Voilà, c'est un truc de base. On peut incarner un homme, une femme. On verra plus tard. Là, je vais prendre une demoiselle. Aléatoire. Et je clique à mort sur aléatoire, mais je génère plein de persos. On va prendre Melissa Baker. Voilà, il m'a pondu ça. On a des aptitudes. Je reviendrai plus en détail quand je lancerai ma vraie carrière dans le jeu. Mais vous avez plein de qualités, plein de défauts. Il faut un truc équilibré. J'ai des profils que j'avais déjà préenregistrés, mais je peux recommencer puisque j'ai effacé le jeu de mon ordi pour le réinstaller ce matin, histoire d'avoir reprendre la main avec la bonne résolution. Donc j'ai tout perdu. C'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Je vais prendre, je vais dire qu'elle est cambrioleuse, la nana, n'importe quoi. Je dois dépenser des points pour contrebalancer. Vous voyez, je suis à moins 6 dans la balance. Donc je vais mettre lecteur lent. Je vais rajouter lâche et myope. Bref, je... voilà, il va me foutre dans une carte. Magnifique, les deux chats en bas que représente le symbole au milieu. Alors merci, c'est du fait main comme si je jouais à, tu sais, à Garkintic Phone. Alors déjà le chat, c'est le portrait que je vais mettre à mon compte secondaire Twitch qui va me permettre de modérer ma chaîne. Et au lieu de l'appeler le robot du sage de Nancy, je vais l'appeler le Cybermatou. C'est rigolo, Cybermatou. Et le symbole au milieu, c'est le logo de ma monnaie de chaîne quand j'ouvrirai au 1er janvier. C'est une bergamote que j'ai dessinée à la main en dessin façon bande dessinée. Donc le losange jaune, c'est la friandise de ma ville, la bergamote, qui présente comme ça. Je pourrais vous montrer des photos ou même sur internet, vous aurez vite fait de trouver bergamote de Nancy en photo pour voir à quoi ressemble le bonbon, la friandise. Et ce sera la monnaie de ma chaîne, ce sera des bergas, le diminutif de bergamote. Je mets pas bergamote parce que c'est pas utile et en plus l'appellation est protégée donc je veux pas avoir de procès. C'est pour ça que je m'en tiens au diminutif berga et ça passera très bien. Voilà. Donc voilà, je vais lancer le truc et je vais vous raconter. Je pose le micro, je vais vous raconter comment ça marche. Le jeu de survie en milieu zombie apocalyptique. Voilà, j'incarne une femme de 27 ans, elle pèse 80 kilos, elle est bien en chair la madame. Et bon, il y a le scénario, machin, il faut que je survive. Alors j'ai des talents qui vont progresser au fur et à mesure que je survis. Voilà, il y a plein de trucs, il y a la maîtrise des armes tranchantes ou contondantes contre les zombies, pour survivre. Les armes à feu, qui sont pas un avantage, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, je peux vous le dire rapidement, une arme à feu, ça génère du bruit. Les zombies entendent et réagissent au bruit, donc ils risquent de venir vers vous. Donc c'est dangereux, il faut pas s'en servir comme une arme à éliminer les zombies. Et une arme à faire diversion, à tirer en plein champ, par exemple, et se battre en courant, ils viennent tous dans le champ, et avoir les quartiers alentours de libre pour faire le cambriolage et récupérer du matos. On le verra au fur et à mesure que je jouerai, vous verrez, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je pense que vous allez adorer. Du moins, je vais essayer de vous le faire aimer. Et on va vivre des aventures de fou. L'artisanat, réussir à faire de la menuiserie, de la cuisine, de l'apiculture, les premiers secours, l'électricité, le travail des métaux, et la mécanique, il y a des bagnoles. C'est la dernière nouveauté de la dernière mise à jour d'il y a un an ou deux. Ils ont rajouté les voitures et c'est génial. Parce que aller de ville en ville en traversant la forêt à pied, les chocottes avec les zombies, c'était un truc de fou. C'est pire que Resident Evil, hein. Sérieusement. La pêche, le piégeage, la recherche en pleine nature. Le fait de pêcher, de piéger des lapins et des animaux avec des appâts, avec des boîtes... Enfin bref, on va vivre des aventures formidables, j'adore ce jeu. Gérer la santé, si je suis mordu et tout. Alors, le jeu, il est balèze à gérer.
C'est-à-dire que vous avez la santé physique et vous avez la santé psychologique à gérer dans le jeu, le mental, éviter la dépression, éviter les coups de blues, parce que vous écopez de malus. Voilà, au fur et à mesure qu'on jouera, je rentrerai dans les détails. C'est un jeu passionnant. Gérer l'inventaire. Alors là, je suis dans une maison. Ça présente comme les Sims. Le jeu Les Sims, première version, c'est la même 3D. Mais on n'est pas là pour papoter, s'amuser à vivre une vie tranquille. Non, non, non. Project Zomboid, c'est l'horreur. C'est, vous êtes le seul survivant dans une ville américaine. Tous les autres humains ont perdu leur humanité. C'est des zombies qui cherchent à vous bouffer parce que vous êtes de la chair fraîche. C'est la même logique que Resident Evil ou d'autres jeux de ce genre. Et là, pour gérer la survie, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, j'allume la lumière, je vois, mais je peux me faire repérer. J'ai pas pris le bon outil pour jouer, qui est mon clavier. Attendez. Voilà, que je puisse me déplacer dans le jeu. Ah non, je peux même pas. J'ai même. Ah, il faut que je reprogramme les bonnes touches. Bon, j'ai trouvé l'équivalent, mais ça va pas être de la tarte. Vous voyez, par la fenêtre, on voit le dehors, la cour extérieure, la terrasse, et le chemin pour sortir en pleine rue. Voilà, voilà. Alors, pardon, je vais te lire, Jess. J'avoue que le jeu me tente beaucoup, mais n'ayant pas de PC, impossible d'y jouer, j'ai hâte de découvrir en ta compagnie. Ce sera avec grand plaisir. Oui, Project Zomboid, à ma connaissance, est exclusivement PC. Parce que l'interface est lourde, en fait. Il y a à gérer, je vois pas. Alors que je m'avance peut-être, il est peut-être sur une console, mais je me vois mal jouer à la manette à ce jeu-là. Mais pour moi, il est PC le jeu-là. Donc voilà, là je fouille l'armoire. Il y a un drap, il y a des fringues, il y a un réveil. Un réveil, faut faire gaffe quand vous avez un réveil sur vous à ce que l'alarme ne soit pas activée. Vous voyez, régler l'alarme. Parce que si vous vous promenez en pleine rue ou dans un bâtiment que vous oubliez que vous avez sur vous un réveil qui se met à pétarader, à sonner, les zombies entendent et vous avez tous les zombies du quartier qui vont arriver, ça va être l'enfer. Digne des plus grandes scènes d'horreur de films. C'est bon. J'en ai des frissons rien que vous en parlez, il y a des scènes horribles. Voilà, une fois j'ai fini coursé dans un champ par tous les zombies qui sortaient des bois, j'ai eu le malheur de faire du boucan sans vouloir, je me suis fait dévorer vivant en plein champ. Il y avait en plus un hélicoptère qui a attiré tous les zombies de la ville, ils me survolaient, enfin bref, l'horreur. C'est, waouh, il y a des trucs de fou à faire. Donc je me promène un peu, voilà, je vous montre. Je suis content, le rendu vidéo a l'air d'être bien sur la chaîne Twitch. Donc, on pourra y jouer. Et ça, c'est cool. C'est relativement fluide sur mon PC. J'ai 50 images secondes. C'est génial. Je suis content. Je peux vous l'affirmer. On va faire du Project Zomboid sur ma chaîne. Voilà, les étagères à bouquins. Là aussi, pour avoir des aptitudes, lire les bouquins. Et ça prend du temps. Donc, en général, votre personnage, vous le faites lire les bouquins la nuit. Le temps que la nuit passe, pour éviter de sortir la nuit, c'est très dangereux. Donc, les phases de nuit seront les phases où je discuterai avec vous dans le chat. Ce sera le moment contemplation détente. Et les phases jour, l'action. Je ne pourrai pas m'occuper du chat, je serai à fond dans le jeu et je vous lirai seulement après. Donc, les phases jour-nuit, ça va être génial pour le... C'est un format idéal pour Twitch, en fait. Voilà, là, je sors dehors. Donc, je dézoome et on commence à voir la rue. Là, je suis peinard, il n'y a personne. J'ai un avantage potentiel stratégique, c'est que j'ai une maison à étage. Je monte à l'étage. Voilà, donc oui, pardon, j'avais démarré en haut, en plus, je suis un idiot. Je vous dis ça. Gérer la bouffe. Gérer la bouffe. Dans la durée, il y a l'électricité et l'eau qui est coupée plus tard dans le jeu, de manière aléatoire, en fonction de... que vous réglez dans la partie, dans les options, ou votre scénario, justement c'est une partie scénarisée, vous pouvez en facile laisser l'électricité et l'eau tout le temps. Donc autant dire que voilà, il n'y a plus qu'à gérer les zombies. Mais ce qui est haletant, c'est dans le temps, au hasard, 15 jours plus tard, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, vous programmez le fait qu'il n'y ait plus d'électricité dans la ville et plus d'eau courante. Et là, c'est vraiment mieux que Koh-Lanta. Au niveau survie à gérer, c'est. On le verra heure après heure, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire.
J'ai suffisamment d'expérience sur ce jeu pour faire déjà un bon topo. Alors, merci Jess Pinkman qui a mené l'enquête. Je viens de regarder, c'est une exclusivité sur PC. Date de sortie initiale le 8 novembre 2013, ça date. Hein. Ça date, il continue à être en développement ce jeu. C'est vraiment cool que les développeurs continuent de suivre le jeu. Oui, oui, ouais, ouais. La dernière grosse mise à jour date d'il y a 2 ans, je crois, c'était les voitures. Franchement, les voitures, ça a bouleversé le gameplay. Ça, je pense que tous ceux qui avaient une partie en cours ont recommencé une nouvelle partie parce que là, ça refaisait un jet de dés dans les probabilités de survie. Ça changeait la donne, mais quelque chose de bien. Voilà, les pâtes. Parfois, il faut prendre les pâtes crues et refaire la vraie cuisine. Prendre une marmite, remplir d'eau, faire bouillir l'eau, mettre les pâtes pour seulement après rajouter des ingrédients dedans et bien nourrir. Il faut gérer la bouffe du personnage aux calories. Aux calories près. Je peux tomber malade, faire une indigestion, une intoxication alimentaire, c'est programmé. Faut pas que je me loupe, faut pas que je mange du moisi ou du périmé. Dans le temps, le personnage peut prendre du poids ou s'amaigrir. Voilà, là, j'ai mon poids de base qui est 80. Moins tout petit, hein, pardon, la résolution est fine. Mais je vous lis, le poids est 80 kg. Mais moi, généralement, mes personnages, bien qu'ils fassent de l'exercice en plein air, prennent du poids. Je les nourris bien. Donc, je crois que je me suis déjà retrouvé avec un perso qui était monté à 95 kilos. Donc, je perdais en endurance, mais j'étais un costaud. Je frappais violemment les zombies à la tête. Ça marchait. Voilà, voilà. Donc, on va faire un petit tour dehors, juste pour vous montrer... je ferai la gestion d'inventaire plus tard. Là, je vais m'arrêter dans 10 minutes. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Je vais préparer mon déjeuner. Et bah, du coup, alors, c'est pas gravé dans le marbre. Je veux pas faire de faux joie. Mais en théorie, exceptionnellement, bah, un zombie. Un zombie qui m'a chopé par le col. Vous voyez, j'ai du mal à me barrer. Et là, bon, j'ai pas d'armes. C'est du souci de ce que je fais. Mais je devrais les patater. Et les fouiller ensuite, comme ils ont leurs propres objets dans leur poche. Il peut y avoir plein de trucs, en dehors des fringues. Il peut y avoir des radios, des bijoux qui peuvent servir. Il y a des objets que vous pouvez démonter tranquillement pour réassembler d'autres objets. Il y a plein de trucs à faire dans le jeu, c'est génial. Voilà, donc je vais me promener 5 minutes. Ah, ça rame un peu là. J'ai eu un lag, j'oscille entre 30 et 40 images secondes. Donc ouais, c'est tout juste mon ordi pour diffuser et jouer en même temps. J'espère que vous, ça rame pas trop. Il vaut mieux que je fasse un zoom plongé, centré. Ça bouffe moins de ressources, mais ça fait très pixelisé. Alors que si je dézoome, ouais, ça saccade un peu. Hein. Ça saccade un peu. Oh, ils ont changé les textures. Ça, c'est une nouvelle texture, la pierre. Je connaissais pas le chemin en pierre. Bon, il n'y a rien dans la poubelle. Et ouais, je vais faire un zoom intermédiaire. Attendez, j'ai le grand zoom. Là, comme ça, c'est correct. C'est un juste milieu, comme on dit. Oui, un autre jeu de survie qui est vraiment poussé dans le réalisme, c'est Green Hell. J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas regardé. Et peut-être que je l'achèterai si mon ordi est assez puissant. Et j'y jouerai avec vous et je le découvrirai avec vous. Mais il a l'air encore plus poussé. C'est possible, je ne sais pas. Honnêtement, Green Hell, j'en ai entendu parler. Mais j'ai pas voulu regarder pour pas me gâcher la surprise. Je le ferai très probablement assez tôt si mon ordi actuel permet de le faire. Ou sinon, j'attendrai d'investir dans un nouveau PC pour y jouer en bonne compagnie. Dans les jeux de survie, on en fera deux autres. On fera très brièvement, je vous ferai une présentation de The Forest. Ceux qui connaissent pas The Forest, j'ai joué déjà, j'ai fait 3 carrières. Un jeu vachement bien. Et il y a un jeu que je ne connais pas, qui doit bien tourner sur le Nordic, que j'ai jamais lancé, mais que j'ai acquis, qui est The Long Dark. The Long Dark. Ceux qui aiment ce genre de jeu, ça doit vous parler. Ça fait partie des classiques. Par contre, The Long Dark et The Forest sont des jeux en 3D. Ce sera plus immersif, je pense. Alors que là, c'est de la fausse 3D. Vous voyez, mon perso a soif. J'ai un petit verre qui est apparu, c'est que j'ai pas fait boire mon perso. Bah, il commence à avoir soif. Donc ça a des conséquences. Oui, tu t'y es frotté, Jess. Oui, tu as diffusé quelques parties sur ta chaîne.
Je ferai ta pub tout à l'heure, avant de rendre l'antenne. Avec plaisir, Jess. Oui, tu découvres en ce moment The Forest, Jess, de ton côté, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens. Oh, les textures sont bizarres. Je suis habitué à avoir une route avec le... Je me demande s'il n'y a pas un défaut de chargement de texture. Attendez, vous savez avoir la route en goudron foncé avec les lignes blanches? Ou alors c'est propre au quartier, mais je m'en souviens pas. J'ai l'impression de voir un bug de, texture. Non, j'ai 1 giga de RAM sur ma carte mémoire. Ma carte mémoire. Ma carte graphique. Et le jeu est pas gourmand. C'est pour ça que je vous propose. Voilà, là elle peut manger du chocolat. Je vais lui dire manger tout le chocolat. On est en train de dévaliser un magasin qui a été laissé à l'abandon. Cupcake, ouais, c'est bon. Ah bah voilà, elle est rassasiée. Elle a les petits couverts en fond vert. C'est qu'elle a mangé à sa faim. Par contre, il faudrait que je vois si je trouve une bouteille de soda. Voilà, soda à l'orange. Je vais boire tout et l'icône du petit verre va disparaître. Voilà, elle a bu à sa soif. Donc là, elle est bien, elle a refait le plein. Wally Wallou. Bon, là, j'ai du bol. Toutes les... Oh, une bétonnière! C'est la première fois que je joue une bétonnière dans le jeu. C'est un contenant ou c'est juste du décor? Non, c'est juste du décor. C'est pas... Il n'y a pas d'objet dans la bétonnière. Ah, il y a les étalages de fruits ou de trucs qui sont vides. Oh, c'est un magasin qui est complètement vide. Ah, oh, la vitre arrière-boutique, jolie. Ah, il y a des petits cajots. Je connais pas la carte. Hein. La carte là, je la connais pas. J'en connais 4, mais là, la carte là, je découvre complètement. C'est la première fois que je lance un scénario dans le jeu. Oui, je prends les clous, c'est idiot. Les clous servent à énormément de choses. Faire des battes de baseball cloutées. Mettre des draps aux fenêtres. Vous voulez vivre dans votre planque et avoir la lumière, mais sans attirer de l'extérieur les zombies. De nuit, il faut absolument draper vos fenêtres. Fermer les rideaux, les volets. Ah, un garage. Tiens, bizarre. Marteau, c'est indispensable. Symboliquement, je vais le prendre, mais je vais pas m'en servir maintenant. Non, la carte n'est pas générée de manière procédurale. Il existe un éditeur. Canne à pêche. Bon, ça, c'est un artefact. Un objet rare, la canne à pêche, pour les pêcher. Et bon, là, c'est juste pour vous montrer. Ouais, intéressant. Il y avait une radio, il y avait de la super glue. Ah, c'est une laverie. Apparemment. C'est un magasin de vêtements, à la base. Ah oui, j'ai que des fringues dans les meubles. Voilà. Non, c'est du fait main, les cartes, Jess. Oh, les cartes! Alors ça, stratégiquement, c'est hyper important. Les cartes des villes alentour. On peut les éditer. En plus, si je prends un stylo, il y a des stylos noirs, stylos bleus, stylos rouges, et crayon de papier. Et si je prends la gomme, ben, je peux éditer à volonté mes cartes. Mais individuelles, chaque exemplaire, je peux faire des gribouillis à chaud. Je vous le montrerai dans le jeu, c'est génial. Je vous en prends une et je vais vous la montrer là, juste pour l'exemple. Voilà, regardez la carte. Hop, voilà, on a à l'écran la carte de la ville de West Point. Et on peut se repérer en se disant, tiens, ça c'est le magasin, ça c'est l'église, ça c'est le commissariat. Et on peut repérer des trucs. Là, regardez ma carte en bas. Je sais pas si je peux agrossir la carte dans l'interface du jeu, je crois pas. Là où il y a échelle 1 sur 1, si vous voyez bien, c'est en petit, hein, je suis désolé. On voit qu'il y a une planque, il y a un bâtiment dans la forêt là. Là où je fais touiller ma... Je sais pas si vous voyez mon curseur de souris, non vous le voyez pas, dommage. Vous voyez en bas à droite de la carte, il y a un petit creux dans la forêt. Et c'est une planque, ça peut être intéressant stratégiquement d'y aller. Je crois que j'y suis jamais allé. Peut-être une fois il y a longtemps. Et on peut éditer les cartes quand vous avez le crayon et la gomme, faire vos propres annotations. C'est génial. On voit que des zombies sont passés. Les vitres sont brisées. La porte est pétée en plus, carrément. Oh, ça a cramé. Il y a eu un incendie. Si vous voyez mal les, entre guillemets, mal les textures, c'est normal. C'est noir, c'est cramé, c'est calciné. Carbonisé. On voit les débris au sol. Il y a un truc qui a brûlé. Ouais, elle est flippante, cette ville. Je la connais pas. Ah, il y a un restaurant rapide, là. Équivalent d'un McDo. On va leur faire de le pu. J'aime pas manger McDo. J'aime pas manger américain.
C'était peut-être les hot dogs. Et j'aime pas spécialement les hamburgers, ou alors les hamburgers, je me les fais moi-même. Au moins, je sais ce que je mange. Ah bref, on n'est pas là pour parler cuisine. Alors, je suis surpris, dans le scénario, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de zombies, là, dans le scénario. C'est bien pour une intro, en fait. Ça me permet d'être posé. Vous voyez le bacon frais, cru. Voilà, j'ai une ligne en rouge dans la dénomination du bacon, il me dit dangereux cru. Si je le mange cru, je risque de me faire une intoxication. Voilà. Oui, tu as raison. Merci, Saul Goodman, j'allais taper par ton ancien pseudo. Jess Pinkman, merci. Il faut boire. Alors, merci de faire usage de la commande. Tu vois, l'utilisation, il n'y a pas de son lié. Enfin, que je pense à lier un son. Je pourrais louper le message dans le chat quand tu le balances. Je suis trop concentré sur mon jeu. Il faudrait que je mette un, que je m'enregistre à la voix et dire n'oubliez pas de boire un coup. Au moins ça m'interpellerait, ça me le dit à moi aussi bien évidemment. Mais c'est bien, merci, tu fais bien de tester la commande. Ah! Oui! Tu t'es fait avoir! C'est-à-dire attention! Je rappelle les préfixes de mes commandes. Point d'exclamation, c'est les commandes classiques et textuelles. Les astérix étoiles, c'est pour moi et ma modération, donc je vous en parlerai pas davantage. Par contre, vous, les sons, c'est préfixé d'un plus, le signe addition. Vous mettez plus et là vous avez les sons. Très très bien. Voilà, donc je voulais faire la présentation. Ah oui, il y a des zombies. Bah, je vais me faire dévorer, c'est horrible. Je vais laisser le zombie me dévorer. On va s'arrêter sur une mort horrible. Je ne veux pas chercher à me défendre. Voilà, je voulais tester PZ en direct, c'est bien. Je vais pouvoir diffuser ça et ça va être génial. Donc voilà, il va me croquer. Là, d'ailleurs, on va mettre la vie. Voilà, petite blessure, blessure anecdotique. Voilà, égratigné, je saigne. Il est en train de me bouffer à vif. Voilà. Avec l'alerte. Voilà, on voit, je saigne, mes os sont brisés. Et j'ai la douleur horrible. Le personnage est en train de souffrir. Je vais mourir. Voilà. C'est horrible. C'est le jeu, c'est comme ça. Et chaque mort est définitive. Ça, c'est du hardcore. J'aime pas le terme anglais, mais c'est très dur. Quand votre personnage meurt, il est perdu. Vous devez complètement recommencer du début. Donc, le challenge de ce jeu de fou, c'est-à-dire essayer de survivre au score le plus longtemps possible en calendrier. Moi, mon record en partie facile personnalisé, je crois que j'ai tenu 2 mois, 2 mois et demi, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est ça, attention chérie, ça va trancher, c'est ça. Voilà, j'ai survécu 7 heures. Dans le jeu, j'ai déambulé pendant 7 heures à peine. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis devenu un zombie là. Ça y est, le virus m'a pris le contrôle du cerveau et. J'ai l'icône fatale du zombie en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Je disais quoi? Je disais que c'est génial, qu'on va jouer à PZ, voilà. C'est cool. Bref, je vais m'arrêter là pour cette session, mais je ne vais pas m'arrêter pour aujourd'hui. Il y a eu un contretemps dans le planning que j'aurais dû avoir avec FunFan, mon ami FunFan. D'ailleurs, j'en profitais pour faire ta pub. Bon, en même temps, je vais finir sur comment on appelle ça, le plan caméra que vous voyez bien. Par politesse, au moins que je me présente à vous en. Voilà, on voit comment je suis. On entend les zombies, ça fait flipper. Ah, puis vous avez les crédits de Gran Turismo qui tournent en arrière-plan sur la console. C'est n'importe quoi. Je regarde rapidement un dernier truc et je vous dis l'info avant de couper. Oui, non, t'inquiète pas, mais je t'en prie, merci à toi d'être venu, Jess, pour ce matin. Donc, je disais, contre-temps pour mon ami FunFan. Voilà, je vais mettre ton lien. Hop là, j'ai ma petite commande qui est prête. Voilà, pour ceux qui veulent te voir, Jess, ils ont voilà, le nom de ta chaîne sur mon chat. Ils pourront en prendre note. FunFan a eu un contretemps
Oh, on entend qu'il brise des vitres. Ça fait flipper comme ambiance. Il a eu un contretemps, Funfan, pardon. Je me laisse déconcentrer. Il voulait diffuser du Grand Theft Auto 5 sur sa chaîne avec des petits jeunes qui apparemment sont pas sérieux et qui lui ont écrit ce matin qu'en quoi ils avaient d'autres choses à faire. Donc c'est bien, ils l'ont planté, littéralement. Notre pauvre Funfan. Donc, comme il n'était pas prévu qu'on fasse un samedi commenté, et de toute façon, je peux pas. Cet après-midi, il faut que je bosse un peu d'un point de vue professionnel et d'un point de vue ménage. J'ai du ménage en retard chez moi. Je vous propose exceptionnellement, je vais refaire une session sur Twitch, sur le même canal, là, au moment où je vous parle. J'en ferai une ce soir. Je sais pas encore de quelle heure à quelle heure. Ça va peut-être se faire un truc du genre 21h minuit. Encore une petite session de 3h. Là, je pense que relax, je ferai que du Gran Turismo. Parce que ça me fait du bien, j'ai plaisir à me détendre, voilà. Je vous partagerai ça. Il y aura peut-être encore des petites nouveautés que j'aurai le temps de glisser sur ma chaîne cet après-midi, avant de reprendre l'antenne. Donc, quoi qu'il en soit, évidemment, libre à vous de vivre votre vie. Je suis ravi que vous regardiez le ralenti. Voilà. Merci d'ailleurs à vous, j'étais surpris dans les stats de Twitch. J'ai vu ça tout à l'heure. Le ralenti sur Twitch de mon numéro précédent du 8 de samedi dimanche dernier, vous avez été de plus de 50. Il y a eu plus de 50 visionnages alors qu'on est en comité restreint. Je vous ai trié sur le volet pour voilà, pour être dans ma phase de test de ma future chaîne. Je suis surpris de voir qu'il y a eu 50 visionnages en une semaine. Donc merci à vous, ça fait chaud au cœur. Heureux que ça vous plaise. Voilà, on se retrouve dans la soirée. En gros, je dis bien en gros, passer vers 21h, 22h, si le cœur vous en dit de me voir encore ce soir. Je vais faire en gros un 21h minuit, je pense, ce soir exceptionnellement. Après, on verra, je vous redirai ce soir si je refais encore une autre diffusion demain matin. C'est possible, je pense que je ferai aussi encore des plein de bricoles. Là, et puis, plaisir d'être en ligne. Alors, je te dis, Jess, pas de soucis, j'essaierai de passer avec plaisir. Bon app, bon après-midi, bon nettoyage et à ce soir. Merci, bon après-midi à toi aussi, bon app. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais me mettre sous la dent. Donc, je file au fourneau, il est 13h déjà et je commence à avoir faim. Je sais pas, je vais peut-être manger du poisson. Je sais pas, je vais voir. Parce que j'ai dans le frigo. Ah, j'ai un bon pâté Lorrain aussi qui m'attend. Ah, je vais peut-être me le garder pour ce soir, le pâté. Ah, je sais pas. Je verrai. Voilà, bisous tout plein. Merci d'avoir suivi. Et du coup, je vous dis exceptionnellement à ce soir du Gran Turismo. Je pense que je m'en tiendrai à ça. Tranquillou, à papoter avec vous, voilà. Merci, merci tout plein. Alors, faut que je reprenne en main mon logiciel et que je dise qu'on va arrêter le streaming. Ciao, ciao, merci, bye bye. Ah, avec le chrono, toujours. 3 secondes de délai. Et là, après, je peux couper l'enregistrement. Ce sera sur YouTube.